Bonsoir. Sur France 2, un mercredi sur deux, vous découvrez les stars comme vous ne les avez jamais vues. Grâce à cette oreillette, impossible pour elle d'utiliser la langue de bois. Bienvenue dans Panique dans l'oreillette. Avec nous ce soir, l'un des humoristes les plus doués et les plus controversés du moment. Sa chronique sur France Inter séduit le matin près de 2 millions d'auditeurs et fait grincer les dents de ceux dont il parle. Certains le disent méchant, d'autres courageux. En tout cas, celui qui triomphe tous les soirs au théâtre de Jazé reste un vrai mystère pour ses fans et pour ses détracteurs. Il est en liberté surveillée, c'est le titre de son spectacle, mais il a accepté de venir ce soir dans Panique dans l'oreillette, ce qui nous permettra de savoir un peu plus qui il est vraiment. Je veux parler de Stéphane Guillon. À ses côtés, une comédienne habituée au succès, au théâtre et à la télévision. Son physique l'a destinée à jouer les jeunes premières, mais c'était sans compter sur son tempérament et son pouvoir comique. En ce moment, elle se déchaîne sur la scène du théâtre du Palais Royal, dans du Feydeau, en incarnant notamment deux hystériques autoritaires. Nous saurons ce soir à quel point il s'agit de rôles de composition. Je veux parler de Christiana Reali. Dans un instant, Christiana Reali et Stéphane Guillon vont s'installer dans ces fauteuils pour répondre à mes questions. Mais je ne serai pas seul face à eux, puisque certains de leurs proches seront ce soir mes complices. Ils seront cachés là-haut, dans cette bulle, et pourront me souffler leurs questions dans l'oreillette. Ils vont parfois les déstabiliser et nous aider à mieux les cerner. Vous verrez tout, vous entendrez tout, mais pas eux. Alors, Stéphane et Christiana sont enfermés dans leur loge, normalement, si tout va bien, et ça me rassurerait, ils ne m'entendent pas. Christiana ? Donc voilà, ils sont coupés du monde. Je vais pouvoir vous présenter, eh bien, à leur insu, mes complices. Ma première complice a rencontré Stéphane Guillon il y a 7 ans. Depuis, ils ont une relation fusionnelle. Ils vivent et travaillent ensemble. C'est elle qui le met en scène dans ses spectacles. Merci d'accueillir la compagne de Stéphane Guillon, Muriel Cousin. Muriel et Stéphane forment une famille recomposée à eux deux. Ils ont 7 enfants. Selon Muriel, Stéphane est, pour tout ce petit monde, une vraie mama italienne. Bonsoir. Ça va bien ? Ça va très bien. Ma deuxième complice connaît Stéphane depuis toujours. Ils sont très proches et ont en commun le même humour décalé. Entre eux, les vannes fusent en permanence. C'est leur façon de communiquer. Merci d'accueillir la grande sœur de Stéphane Guillon, Laurence Guillon. Que tout petit déjà, mon invité adorait être dans la lumière et il faisait rire toute la famille. Bonsoir. Bonsoir. Détendu ? Ouais. Mon troisième complice connaît Stéphane depuis plus de 27 ans. Ils avaient 18 ans lorsqu'ils se sont rencontrés. Ils étaient élèves dans le même cours de théâtre. Ensemble, ils ont joué leur première pièce classique. Leur prestation à l'époque, eh bien, ils l'ont jugée tellement mauvaise qu'ils en ont honte encore aujourd'hui quand ils y repensent. Merci d'accueillir Étienne de Balazi. Étienne assure qu'à 18 ans, mon invité était très différent de ce qu'il est aujourd'hui. Stéphane Guillon était à l'époque timide et sage. Bonsoir. Comment ça va ? Vous allez bien ? Très bien. Merci. Vous êtes détendu ? Très. Détendu. Ça va, super détendu. Bon, vous savez que les téléspectateurs ne se posent qu'une seule question. Est-ce qu'ils se doutent que vous êtes là ? Mais ils seront jaisons déjà. Ouais, il a l'air, particulièrement détendu. Est-ce qu'il a essayé de savoir ? Non. Non, il vous a pas appelé ? Ah non. Moi, je suis au téléphone, mais rien. Vous avez raconté des bobards ? On a parlé d'autres choses. D'autres choses ? Ouais. Moi, j'ai reçu un chèque de 10 000 euros. Je pense que c'est peut-être pour ça, je sais pas. Je pense que ça doit être ça, je sais pas. Allez, je vous présente ceux qui seront vos nouveaux amis ce soir, qui seront mes complices, les amis de Christiana Reali. Ma première complice a rencontré Christiana quand elles étaient toutes les deux au lycée. Elles se sont retrouvées ensuite ensemble en fac de droit. Au fil des années, elles sont devenues des amies inséparables. Merci d'accueillir Sandrine, Zarka et Dri. Christiana et Sandrine ont un rituel immuable. Tous les ans, elles abandonnent quelques jours mari et enfant pour aller visiter des capitales européennes entre filles. Bonsoir. Bienvenue. Ma deuxième complice est l'une des personnes qui connaît le mieux Christiana. Elles sont très proches depuis l'enfance. L'une comme l'autre adore raconter des blagues et elles sont toutes les deux bavardes. Merci d'accueillir la sœur de Christiana, Mariana Reali. Mariana et les deux autres sœurs de Christiana l'avaient surnommée lorsqu'elles étaient petites Cri-Cri la poulette.
On saura pourquoi tout à l'heure. Bonsoir. C'était des bavards, c'est pas vrai? Non? Si. Allez, ma dernière complice a rencontré Christiana il y a une dizaine d'années. C'était à Cuba, sur le tournage de la saga Terre Indigo. 7 mois de tournage, à vivre côte à côte, ça crée des liens évidemment. Au retour, elles étaient devenues amies pour la vie. Merci d'accueillir la comédienne Charlotte Cady. Charlotte adore son amie, mais la trouve elle aussi très bavarde, surtout lorsque Christiana lui téléphone en pleine nuit et l'empêche de dormir. Bonsoir. Tu vas bien? Détendu? Très bien. Bon, je repose la même question. Les téléspectateurs se demandent si elle sait que vous êtes là. Est-ce qu'elle a essayé de savoir? Elle vous a appelé? Moi, je suis en pleine tournée, donc je ne suis pas à Paris en ce moment. Donc vous n'êtes pas là? Je ne suis vous pas êtes là. Un hologramme ce soir? Voilà. Je brouille les pistes. C'est vrai? Oui. C'est quoi l'histoire? Elle me croit en audience. D'accord. Comme j'avocais. Bon, on est en train de me dire dans l'oreillette qu'ils sont en train d'arriver, donc je vous laisse rejoindre la bulle pour vous cacher. A tout de suite! D'autres complices que vous n'attendez pas dans cette bulle, je peux vous le dire, vont venir par une porte secrète poser des questions. Oh, attention, elle arrive, je la vois. Mes complices disparaissent. Christiana est en train de quitter sa loge. Alors attention. Le sourire aux lèvres. Il y a un côté Rocky Balboa. C'est super, on dirait un anniversaire surprise avec des invités. Il y a plein de surprises. J'ai spécialement envie de voir en plus. Voilà. En tout cas, elle a le sourire, elle est détendue. En apparence, on va savoir si c'est la réalité dans un instant. Elle espère que ce sont des gens sympas. Ouais. On va le voir dans un instant. Je vous demande de lui faire un triomphe, mesdames, messieurs. Christiana Reali. Comment ça va? Ça va très bien. Très très bien. Détendu? Non, j'ai un peu l'impression que c'est comme un petit anniversaire surprise. Voilà, qu'on a invité Stéphane Guillon pour mon anniversaire, c'est sympa. Il va peut-être me faire une petite chronique sympa, comme cadeau. Je suis ravie en tout cas. Bon, nous aussi. On espère que ce seront des bonnes surprises. Vous savez qu'on va apprendre plein de choses sur vous. Oui, j'espère que les gens que vous avez invités sont des gens que j'ai envie de voir. c'est ça le pire. C'est ça la question, on va le savoir dans pas longtemps. À la fin de l'émission, évidemment. Alors, Stéphane Guillon est en train de quitter sa loge. Pas du tout. Il est en train de lire le journal. On y va? Bon. Ah, je vais trop vite, hein. Je vais trop vite. Je suis tellement pressé d'y aller. Ouais. Attention à ta tête, voilà. Je me fais du souci pour le caméraman. À l'heure et merci encore. Ils sont très gentils ici. Voilà, l'entendre dire gentil, voilà. Merci, c'est évidemment pas l'image qu'on a de lui, puisque son image médiatique est parfois intimidante pour les gens qu'il croise dans la vie. On va savoir, tout à l'heure, qui est le vrai Stéphane Guillon. D'ailleurs, il en parle même sur scène, ce soir au théâtre Déjazé. Ses amis lui disent, il faut que tu parles de toi, ce sera l'occasion ce soir. Voilà, j'aime bien dire mes invités sont souriants, mais là, il ne sourit pas, donc je ne sais pas s'il est en colère, s'il est inquiet. S'il est heureux d'être là, je vous demande de lui faire un triomphe, mesdames, messieurs. C'est un sourire. Stéphane Guillon. Comment allez-vous? Bien. J'ai eu une idée en venant. Je vais demander à Catherine Barma d'animer Panique à l'oreillette et ce sera toi l'invité. Si je peux choisir mon animateur, je suis pas sûr de... Donc, méfie-toi. Voilà. Bon, dans quel état vous êtes, pour de vrai? Très, très détendu. Je n'ai aucun ami, moi, donc... comme c'est une émission qui marche sur la base des amis, je suis totalement détendu. Bon. C'est vrai que dans cette émission, on teste beaucoup la paranoïa des invités. Vous n'êtes pas parano, ni l'un ni l'autre? Pas du tout. Stéphane? Du tout. Autodérision?
Ben, on essaye. Pas de susceptibilité. Aucune, voyons. Bon, en tout cas, vous savez que le public a une image de vous un peu stéréotypée, comme ça, à travers vos personnages. Donc, on va essayer de savoir, nous, qui est le vrai. Alors, on peut le voir sur scène au Théâtre des Jazzés, bien sûr, mais bon, on va essayer d'en savoir plus sur vous. Je vais demander à mes complices d'apparaître, s'il vous plaît. Voilà, donc ils sont là, ils sont magnifiques. Ah, c'est pas possible, t'as invité ceux-là. C'est ceux-là qui sont là. Bon, le public va mettre un casque, puisque le public va entendre tout ce qu'on va me souffler dans l'oreillette. Et vous savez qu'à la fin de l'émission, il faudra deviner qui est là et qui me souffle des questions, qui vous contredit parfois, parce que j'aurai toujours deux versions de l'histoire, la vôtre de la vôtre, et puis ceux qui vous connaissent bien. Est-ce qu'on peut faire un petit essai d'oreillette, s'il vous plaît, pour voir si ça marche bien? Oui, bonjour, vous m'entendez? Très bien. Ben voilà, je suis ravi d'être là. Je confirme, je ne suis pas un ami de Stéphane Guillon, et je ne sais pas qui est ce monsieur, mais comme c'est bien payé, je suis venu. On va passer pour des comptes, comme ça, de... C'est ça que je voulais savoir, c'était quel est le sentiment. Moi, j'ai pas encore été là. C'est assez désagréable, je te le confirme. Allez, on essaye. Soyez sympa avec lui, Fred, sinon ça va être votre fête demain sur France Inter. On y va, on s'en va. Vous vous sentez un peu exclu pour l'instant. C'est insupportable. Allez, un petit essai d'oreillette. Alors moi, j'ai une petite suggestion pour le public. Merci de mettre à l'aise Christiana en l'accueillant par un « Bonjour, cri-cri la poulette !» À trois, un, deux, trois. Bonjour, cri-cri la poulette. Ça peut pas être toi, mince. Ça, c'est vous, cri-cri la poulette? Oh, c'était ma sœur qui m'appelait comme ça quand j'étais petite. Ah, d'accord. Okay, ta sœur. C'est pas j'en ai trouvé un déjà. Ma sœur du Brésil, donc ça m'étonnerait quand même qu'elle ait fait le... Ah, voilà. Ils sont capables de tout. Ils sont capables. On a des moyens. Allez, un dernier essai. En souvenir du 12 juillet 98, 1, 2, 3... On sait pas zéro. On sait pas ce qu'il faut dire. Zéro. C'est ça. C'est un flop. Bah, ça arrive aussi. Flop, ouais. Non, mais vous n'avez pas choisi les plus intelligents, peut-être, chez moi. Hein? Vous leur avez bien expliqué. Ça, c'est la honte, par contre. Ils ne savent pas que c'est un métier, quand même, qu'on fait de venir faire des émissions aussi. Bon. Écoutez, dans un instant, on va explorer votre existence, votre parcours. Mais je voudrais expliquer aux téléspectateurs votre actualité. En ce moment, on peut vous voir au Théâtre du Palais Royal, dans du Phédo. Et je reconnais que je n'avais pas vu On purge bébé. Et je comprends pourquoi ça a traversé les âges. C'est très efficace. Vous connaissez la pièce? Phédo. Oui, c'est cette pièce-là. Moi, je ne l'avais jamais vue. Je connaissais le nom. Et puis, il y a aussi Léonie est en avance. Oui. Et on peut dire que vous vous éclatez sur scène. C'est-à-dire que vous êtes complètement dingue, on peut le dire, hein, sur scène. Oui. Oui, oui, sur scène. C'est vrai que ça va très, très vite. Ça va très vite. C'est très rythmé. C'est un Phédo très rapide et très drôle. Et c'est vraiment, vraiment, avec le spectacle de Stéphane Guillon, la meilleure chose à voir en ce moment dans les théâtres parisiens. Donc, ouais. Parce que sur scène, vous êtes effrayante. Vous êtes effrayante d'autoritarisme, d'hystérie. C'est un rôle de composition, bien sûr. Oui. En fait, c'est une femme complètement névrosée qui est complètement fusionnée avec son fils. Et elle est dans un état pas possible parce qu'il est constipé et qu'elle vient... Comme Stéphane. Comme Stéphane. Gros problème de constipation, Stéphane. Ça récurrent, gros problème. Mais je peux aussi parler politique, pas seulement constipation. Non, mais effectivement, c'est, d'abord, on s'aperçoit que Phédo était complètement misanthrope. J'allais dire misogyne, mais misanthrope. Tous ces personnages sont tous ou bêtes, ou méchants. Ça va souvent ensemble, misogyne et la misanthropie. Oui. Ah oui, non, c'est énorme. Non, mais voilà, donc c'était la régalade. Le public a beaucoup ri. Pendant quoi? Deux heures? Vous sortez à faune, épuisé. Il y a deux pièces, une complètement absurde avec une sage-femme complètement tyrannique et folle dingue. Et l'autre, une mère de famille fusionnelle. D'une mauvaise foi absolue. D'une mauvaise foi dans les couples, c'est que ça. Bon, en tout cas, ça se passe au Théâtre du Palais Royal. Et le public se régale. Vous aussi, c'est très communicatif. Merci. Voilà, Théâtre du Palais Royal, les scénarios dans Phédo. Et puis, au Théâtre de Jazzé. Là, on va dire que c'est un peu l'état de grâce pour vous. Moi, je l'ai vécu comme ça, en tout cas, dans la salle. C'est gentil. Mais non, mais c'est vrai. On va comprendre votre parcours, mais on se dit que ça doit être vachement important pour vous, parce que là aussi, c'est vous êtes au sommet de votre art. Ah oui, là, je vais redescendre, je pense, hein? Assez vite. Il va falloir y rester. Bon, j'ai envie de dire, il y a tous ceux qui vous aiment à la radio, qui vous aiment à la télévision, etc., qui vont voir votre regard sur notre société. Mais moi, ce que j'ai aimé, c'est aussi qu'on voit incarner des personnages, créer des situations, mais parfois au cinéma. Et j'arrivais pas à savoir quel était mon sketch préféré. J'en ai à peu près 5 préférés. Sur combien? Sur 5. Bah, donc, c'est pas mal. On voit quelques extraits.
On regarde. L'humour s'arrête là où la méchanceté commence. Dans ce cas-là, il me reste plus rien. Le rire aussi nous a sauvés. Il y avait cette plaisanterie qui courait. Est-ce que tu t'es fait BM, BM ? Bien maître par Bernard Madoff. Je comprends pas pourquoi elle m'a quitté. Je comprends pas. Catherine, c'était tout pour moi. C'était toute ma vie. Je sais pas comment je vais faire. Je sais pas. J'ai encore 4 chemises de repasser et après... Là-bas, pour se garer, c'était un vrai bordel. Il n'y avait que des places handicapées. Il n'y avait que 2 places valides. On les reconnaissait parce qu'ils n'avaient pas une paire de jambes sur le bitume. Mais bon, 9 fois sur 10, il y a un connard en fauteuil pour te la prendre. En 2015, la dernière personnalité de droite du gouvernement, c'est le président. DSK est nommé Premier ministre. Le lendemain, le personnel féminin de Matignon se met en grève. En tout cas, je suis ravi. Comme vous le savez, en plus, depuis la semaine dernière, je suis grand-père. Petit Solal. Malheureusement, le personnel soignant n'a pas voulu que je le prenne dans les bras. M'ont dit, monsieur le président, un bébé secoué, c'est très embêtant. Liberté surveillée. Bon, c'est quelques extraits. C'est très dur d'avoir des places, mais c'est prolongé maintenant. Oui, jusqu'au 1er mai. Je m'arrête de travailler le jour de la fête du travail. D'accord. Bon, est-ce que finalement, c'est éloquent ou est-ce que vous avez envie de dire quelque chose sur ce spectacle? Non, c'est vrai que les extraits, parce qu'on ne sait pas que, par exemple, c'est un sketch sur le handicap ou sur... Commence déjà à critiquer, il est jamais un spectacle. Ça commence. Il va vous refaire votre émission, vous allez voir, vite fait, bien fait. Ça va de là-haut, bien sûr. Hein. Oui, ouais, j'imagine. Mais je suis content que vous ayez dit que c'était un spectacle théâtral avec des personnages et des voilà, parce que ils ont tendance, la critique a tendance juste à avoir les 2-3 phrases que je dis ou sur DSK ou sur Nicolas Sarkozy. Et j'ai eu à cœur avec Muriel, cousin de ma femme, de vraiment metteur en scène, de faire un vrai spectacle. Je crois que c'est mon spectacle le plus théâtral depuis que je fais du one man show. Et j'ai un peu de mal à l'assumer pour l'instant, mais je suis content du résultat. Il n'arrive pas à savoir si ça plaît aux gens, mais c'est complet tout le temps. Donc on a un peu une idée du personnage. Jusqu'au 1er mai, au Théâtre de Jazé. Et puis ceux qui vous aiment à la radio et qui ont raté quelques chroniques, c'est chez Stock. On m'a demandé de vous calmer, Stéphane Guillon, les chroniques. Et j'ai découvert qu'on riait même en lisant, parce que je me suis dit en l'écoutant forcément, mais en lisant. Donc ça marche très bien aussi, et c'est en ce moment, on peut le trouver partout. Ouais, et ça marche bien. Stéphane Guillon. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce qu'on explore votre parcours? Oui. Vos personnalités? Allez. Ce qu'on ne sait pas de vous? Allez. C'est parti. Il faut dire que Christiana enjolive tout. Elle a tendance à toujours tout arranger et mettre à sa sauce des petites choses de la vie comme ça. Donc, tu te demandes quoi, là, exactement? On me dit qu'il y en a un de vous deux qui a tendance à tout enjoliver dans la vie. On va faire tout. Oui, notamment quand elle était petite, elle avait un journal intime dans lequel elle mentait. Ah d'accord, bah sympa. Et elle mettait une croix là où elle avait menti au cas où quelqu'un tombe dessus. Et pour qu'elle se souvienne des années plus tard qu'elle avait menti. Donc il y avait des croix un peu partout. Bon. Alors c'est... Si c'est vrai, c'est énorme. Ce qu'ils disent là? Ouais. On me dit quand vous étiez petite, vous écriviez un journal intime comme beaucoup de petites filles. Petite fille, vous arrivez de mentir, hein, il y a prescription. Oui. Et elle notait tous les mensonges qu'elle pour être sûre de ne pas être prise en flagrant délit. C'est vrai ça? Non, alors c'est vrai que je faisais un petit journal intime quand j'allais en colonie et tout ça. Et il ne se passait pas toujours des choses extraordinaires. Et donc je mentais, parce que je me disais toujours que mes copines allaient lire, j'allais leur montrer en rentrant. Et au fait, je mettais des petits points rouges pour plus tard, si un jour ce journal était retrouvé, qu'on sache que c'était vraiment des mensonges. Et donc la dernière page, c'était ne pas faire attention aux fautes d'orthographe, point rouge égale mensonge. Le problème, c'est que ça continue toujours. Non, parce que là, j'ai dit, pour être gentil, pour vous pousser à la confidence, j'ai dit à prescription, mais on me dit, en fait, c'est toujours comme ça. Ah, oui. Vous confirmez que vous enjolivez? En fait, je suis en train de mentir, j'ai des points rouges dans toute l'émission. Moi, je vais vous proposer quelque chose, je vais vous montrer des cartes postales d'une ville d'Europe
a priori, vous avez visité. Oui. Et vous allez me dire ce que vous avez vu là-bas, ce que vous avez fait. D'accord. On va voir si vous dites la vérité. D'accord. Alors, regarde pas ça. On est où, là, pour voir? Ah oui, Rome. Oh, Rome. Non, mais Rome, d'abord, j'ai été plusieurs fois à Rome depuis toute petite. On nous a mis en garde sur les Italiens qui étaient des grands, grands séducteurs. Non, parce que les Italiens sont très dragueurs. Oui. Vous aviez très peur en y allant. Oui, oui, c'est horrible. Parce que j'ai passé mon adolescence en Italie et on flirtait avec les Italiens. Voilà, on avait toujours des petits copains. Ils sont très, très collants, très difficiles à gérer. Ouais. Quand on a 20 ans. Et puis j'y suis retournée donc dernièrement avec mes copines et on s'est dit, attends, on est toutes les trois, voilà quoi, elles étaient mariées, moi aussi. Et au fait, on n'a eu aucun succès, personne ne nous a regardé. Et on allait en boîte, attention, hein, et tout. Même les ados ne voulaient pas de nous, ils nous ont collés pour rentrer en boîte de nuit et après ils nous ont lâchés comme des vieilles chaussettes. Et il y avait un jour deux mecs. On allait danser, qui me dit, hey, s'il vous plaît, go signore, pour rentrer avec nous en boîte et tout ça. On dit, on rentre avec eux, mais après, ils nous lâchent. Hein. Ah ben, il n'y avait pas besoin de leur demander, ils nous ont lâchés dès qu'ils étaient rentrés. Donc voilà. Et bien sûr, quand on est rentré à Paris, on n'a pas voulu avouer la chose et on a raconté que ça avait été l'enfer. On ne pouvait pas faire trois pas sans être dragué. Vous êtes rentré, vous avez raconté que. Vous vous étiez fait draguer comme des folles. Ah bah évidemment, comme des malades. Vous avez collé pour nous emmener en boîte et tout, évidemment. Voilà. Donc ça, c'est la version, la vraie. Allez, notre carte postale d'une capitale d'Europe, pour voir si ça vous inspire. Bon, là, donc, on la voit... La Suisse. Oui, en Suisse. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Elle a raconté qu'elle était montée sur le pic de la Dent Creuse. Et du lac Angelé. La grosse, grosse menteuse. Elle me l'a dit, je confirme, elle est revenue en me racontant qu'elle était montée, je ne sais pas où, avec des raquettes, que ça avait été super. Oui. Qu'on a marché des heures alors qu'on a marché 3 minutes et on s'est coincé dans la poudreuse. J'ai appris, grâce à cette émission, que c'était faux. Et le pic de la Dent Creuse, ça vous a vraiment plu? Ouais. Parce que nous, on a la vraie version, je vous rappelle. En fait, elles ont raconté à tout le monde qu'elles avaient adoré le pic de la Dent Creuse, le lac gelé. On a fait le tour d'un pic. On dit on descend par les dents du dragon et on reprend par le pic de la Dent Creuse. Voilà. On n'a même pas su enlever les raquettes, on a été obligé de descendre en train avec les raquettes. Ça donne plein d'infos. Allez, une dernière carte postale. Ah oui, Barcelone. Barcelone. Barcelone faisait partie de nos petits voyages, donc... Demandez-lui comment on dit couverture en espagnol. Elle est polyglotte, elle saura. Bon, on sait que vous êtes brésilienne, hein, ouais. L'italien, le brésilien, l'espagnol, c'est pas très loin. Comment on dit couverture dans un hôtel en espagnol? Alors ça, c'était terrible, parce qu'on prenait une chambre pour toutes les trois, et il manquait une couverture. Et donc, comme je parle un petit peu espagnol, on me dit « appelle et demande une couverture ». Donc j'appelle, je tombe sur le monsieur de la réception et je lui dis « por favor, me gustaría avoir una... » Et je ne savais plus le nom « couverture ». Et je commence à décrire en espagnol « quelque chose pour mettre sur moi pour que j'ai chaud ». Et le mec, il dit « y a moi ». Alors j'ai dit « vous non ». Quelque chose pour me tenir chaud la nuit. Moi, non, pas vous. Et ça, on dit una manta, voilà, comme ça. Comme ça, vous le saurez. Ok, allez, sur Stéphane un petit peu, parce qu'il est tranquille depuis tout à l'heure. Puis toujours, il est tête en l'air, il perd tout, ses clés, ses cartes d'identité, enfin bref. C'est... Oula. D'accord. Il a quand même une carte bleue nouvelle tous les mois, on va dire, à peu près. Le public est choqué. Qu'est-ce qu'on peut bien me raconter? De quoi? Non, non, on me disait que vous étiez quelqu'un de très organisé. Oui. Vous ne perdez jamais rien. J'ai des périodes où je perds beaucoup. Des périodes? Alors, il oublie d'éteindre les phares, il oublie d'éteindre le feu sous les poêles. Mais je n'ai jamais perdu. Donc, on n'a plus de batterie, on n'a plus de poêle. Qu'est-ce que tu peux râler? Oh, Muriel! Non, on me dit, est-ce qu'à la maison, vous avez beaucoup de poêles brûlées? Ah, vous n'arrivez jamais d'oublier le feu. Il n'y a plus de maison à brûler. Mais le menteur, je ne crois pas. Mais vous vivez dans une chaumière ou quoi? Avec une cheminée, tout ça? J'ai jamais oublié un enfant, par exemple. Non. Parce que j'ai un ami à moi qui oublie ses enfants. Vraiment, il dans un prise unique, il laisse son enfant à la caisse, il rentre chez lui, sa femme lui dit ah, il est à la caisse, le petit. C'est un moyen de ne pas parler de vous, là de non, de c'est important pote. De parler de ce monsieur qui va arriver. Il a oublié son frein à main une fois aussi. Alors bon, on me dit que ça vous arrive d'oublier souvent les phares de la voiture.
Oui, le frein à main. La voiture, oui. Frein à main, oui, dernièrement. Oui. Et comme on a une montée comme ça pour aller chez nous, très belle propriété, je me suis retrouvé comme un con derrière la voiture. En plus, c'était la voiture de ma femme. J'étais quand même moins paniqué que si ça avait été la mienne. Et donc, j'étais comme ça et je hurlais Muriel dans le jardin. Et elle a mis du temps à arriver. Parce que, j'étais sous la douche, je ne l'entendais pas. Il est resté une demi-heure à tenir la voiture. Heureusement, elle est venue, elle a mis le frein à main, sinon on perdait la... Est-ce que vous reteniez la voiture, vous? Ah, je retenais la voiture, ouais. Oh là là. Non, deux tonnes, tu vois, le truc. Ouais, je suis fort. Non, Frédéric, je vais vous dire, le pire qu'il ait perdu, il a quand même perdu sa maison. Il a perdu sa maison. Il a carrément perdu sa maison. Il paraît que vous avez même perdu votre maison. Vous avez cherché votre maison? Oui. Vous étiez à jeun? Non, oui, totalement. Non, on avait acheté une maison avec Muriel. Et juste après avoir signé la vente, nous sommes partis en vacances. Et le temps de partir en vacances, quand on est revenu, c'est vrai qu'on ne savait plus où elle était et qu'on l'a cherchée, cette maison. Mais on est deux à la chercher, moi et ma femme. Donc ma femme est aussi étourdie que moi. Voilà. Et comment vous l'avez retrouvée? Alors on l'a retrouvé, non mais l'histoire est vraie, on l'a retrouvé, maintenant on y habite, donc normalement, maintenant on sait vraiment où elle est, quoi. Non mais c'est un vrai Gaston Lagaffe, il est vraiment difficile à vivre au quotidien pour ça, c'est vraiment hyper tout. Oh, il n'y a pas de pour ça, il n'y a pas de pour ça. Et par exemple, c'est une anecdote qu'il m'avait racontée, quand il avait 9 ans, il a caressé pendant un quart d'heure la cuisse de la mère de son copain. C'est pas une gaffe. Ce n'est pas une gaffe. Mais ça, c'est un acte manqué. Voilà, parce qu'il l'avait pris pour un chien et il lui a dit, excusez-moi, je croyais que c'était votre chien. Et toi, tu l'as cru, Muriel. Tu as cru que c'était, voilà, bien sûr. J'ai cru, j'aime beaucoup l'air stoïque que vous avez. Vous sentez que ça parle de moi, vous. Moi, je n'entends rien. Peu, je suis très bien. Les gens sont charmants, c'est chauffé. Exactement. Okay. Si pouvais rire comme ça dans mes spectacles. Mais ça rigole, j'y étais, ça dis rigole. Donc. On peut pas de mal de toi. Les autres le feront. Hein. En plus, c'est vrai. C'est vrai. Et non, on me donne des infos. On me dit. Il est un peu Gaston Lagaffe, vous confirmez? Il vaut mieux confirmer dans cette émission. C'est une question. Effectivement, j'ai des infos, mais vous voyez comme ça? Gaffeur, oui. Oui. Et on me donne des exemples. Oui. Étourdi, voilà, étourdi. Et ça vous est arrivé de caresser pendant, vous aviez 9 ans, pendant 10 minutes, les jambes de la mère d'un copain à vous en pensant que c'était un chien. J'avais exactement 12-13 ans. 12-13 ans? C'est pire. Non, mais cet âge, vous savez, où les garçons et les filles sont mal dans leur peau. Et j'étais invité à déjeuner chez un copain et j'étais très très mal, voilà. Et pour me déstresser, il y avait le chien qui se baladait sous la table et j'ai commencé à caresser le chien. Et il se trouve que la mère de mon copain qui était à ma droite avait ses robes, tu sais, début des années 80 en laine comme ça, en plus. Et c'est vrai que je pensais vraiment que c'était le chien. Et je lui ai caressé la cuisse pendant 10 bonnes minutes. Ce qui est étonnant, c'est qu'elle n'a rien dit. Et à un moment donné, je m'en suis aperçu, je suis devenu rouge comme une pivoine, je me suis excusé et je lui ai dit, excusez-moi, je vous ai pris pour le chien. Je me suis enfoncé encore plus et elle m'a dit, c'est pas grave, Stéphane. Voilà. Il y a peu de temps, enfin, il n'y a pas longtemps, on était à Cannes. Il rencontre une actrice connue d'une cinquantaine d'années qui s'est penchée à lui. À côté qui de lui. Dit, qui lui dit « Oh, je ne me sens pas bien en ce moment, je me sens vieillir, puis je suis grosse. » Et là, il la regarde et il dit « Mais non, mais t'es encore bien de tête. » Ça, c'est toi. C'est toi. C'est moi. Ben non, c'est encore vous. Ce côté comme ça, très spontané, et donc parfois vous pouvez ne pas prendre en compte la susceptibilité des gens qui sont en face de vous. Par exemple, quand une femme, et en plus quand c'est une actrice, qui est à la cinquantaine et qui vous dit « Ah, regarde comme j'ai grossi », tout ça, et vous lui dites spontanément, en croyant la rassurer, « T'es encore bien de tête. » Ça, c'est dégueulasse. Vous souvenez ça? Non, mais c'est dans la... non, je t'explique. C'est dégueulasse si tu le fais sciemment. Oui. Et moi, je pensais vraiment profondément lui faire un compliment. C'est ça qui est grave. Arrêtez les compliments, alors. Oui. Mais c'est pas dégueulasse. Oui, mais ça veut dire qu'elle a vraiment grossi. Bon, alors non, sur la susceptibilité. C'est vrai que les gens dont vous parlez dans vos portraits, il vaut mieux pas qu'ils soient susceptibles. Les gens qui vous côtoient dans la vie privée, il vaut mieux pas qu'ils soient susceptibles. Est-ce que vous, vous êtes susceptible? Une horreur. Du tout. Très hyper susceptible. Du tout, du tout. Du tout? Non, mais... Ah, attendez. Ça parce que là-haut... On va se mettre bien d'accord.
Vous êtes avec eux ou vous êtes avec nous? Avec nous. Je sais pas qui c'est qui a dit ça sur lui, mais il est complètement fou. Hein. Moi, si j'étais lui... Je ne répéterai pas. On avait envie de tester votre susceptibilité, vous êtes Allez-y, d'accord? Pas de problème. On peut le faire. Oui. Un portrait à la Stéphane Guillon, ouais. À propos de Stéphane Guillon. C'est écrit par Arnaud Crampon, Jonathan Kissner. Et si elle est d'accord, je vais demander à Christiane Reali de le dire, ce texte. Vous êtes d'accord? Allez. Allez, venez, Christiane. On va tester. Alors, vous avez les fiches ici. Et vous avez le texte là-bas, d'accord, d'accord. Donc je rappelle à Stéphane, au cas de représailles, que ce n'est pas vous qui l'avez écrit. De toute façon, en tant que comédienne, elle peut, si elle le sent, changer des petits trucs. Ça fait partie de... Et je pense qu'elle saura le faire très bien. Ok. Guillaume Stéphane est à Neuilly-sur-Seine. On comprend mieux pourquoi le président Sarkozy ne l'a toujours pas viré de France Inter. On ne va pas se fâcher avec un ancien voisin. Stéphane Guillaume, l'écorcheur du PAF, le serial killer du petit écran... Et pourtant, quand on le regarde, un grand regard clair, certes, un peu sadique, mais clair. Une petite barbe naissante, douce en plus, je le présume. Une petite barbe que l'on retrouve généralement chez le puceau pubère qui essaie d'affirmer sa virilité, donc inoffensif. Et ses cheveux foufous, qui nous a fait croire lors de ses premières apparitions télé que Pollux était de retour. Franchement, est-ce là une tête de méchant? Une tête de con, peut-être, me direz-vous. Mais une tête de méchant, ça, non. Le petit Stéphane, né le 6 décembre 1900. Ça, je suis sympa. Sagittaire, ascendant, ou plutôt condescendant scorpion, d'où son goût pour les pics. Ses débuts, il fait plein de petits boulots, déménageur, télémarketeur, serveur, ce qui est étonnant, vu sa cruauté. Moi, je pensais qu'il avait été huissier de justice, dentiste, chasseur de phoques. Il a galéré pendant 15 ans. 15 ans de galère. C'est long pour quelqu'un qui a du talent. Et en même temps, c'est assez court pour quelqu'un qui n'en a pas. Tout dépend de comment on voit les choses. Alors oui, certains diront que son acidité est due à ses années de galère, à cette reconnaissance tardive. Mais n'est-ce pas arrivé au plus grand? Prenez la gaffe. On découvre seulement aujourd'hui qu'il est acteur. Et le problème au quotidien, c'est la déformation professionnelle. Chaque fois qu'il prend un stylo, il ne peut pas s'empêcher d'écrire des choses méchantes. Même une liste de courses pour sa femme. Dépêche-toi de ramener du putain de dentifrice, de la lessive de merde et un sac. Et non, ça, c'est une connerie. Une salade. Eh ben, Muriel, qu'est-ce qui t'arrive? Une salade parce que t'as pris du cul. Il parle comme ça, hein? C'est lui qui fait les courses, alors. Je t'emmerde. Heureusement qu'elle sait qu'au fond, c'est un vrai gentil. Oui, car Stéphane Guillon est un vrai gentil. D'ailleurs, il est fan de 90% des personnes sur qui il écrit des méchancetés. Oh, merci Stéphane! Pas sûr que la réciproque soit vraie. Ses amis se comptent sur les doigts d'une main d'un petit lépreux somalien. Moi, je vous le dis, c'est insensible, Stéphane. Ou haïtien, on aurait pu faire les deux. Oui, oui. Pour être un peu plus dans l'actu, hein. Une midinette, je l'ai vu dans son envoyé spécial, heureux, en jardinant, plantant des arbres. Oui, monsieur, dame. En plantant des arbres, c'est-à-dire en donnant la vie. Et je ne peux pas croire que son seul plaisir, c'est de leur tailler des branches. Stéphane Guillon n'est simplement pas à sa place. Enlevez-lui son stylo, donnez-lui un râteau, mettez-lui un tablier vert, une moustache. Voilà sa vraie place. Stéphane, à ce jour, nous t'appellerons Nicolas, Nicolas le jardinier. Poire parmi les poires, banane parmi les bananes, fumier parmi les fumiers. Tu vas pouvoir renaître. Merci, Christiane. Je rappelle aux téléspectateurs qu'elle a... Je rappelle aux téléspectateurs que vous avez découvert le texte. Hein. Oui. J'ai découvert le texte et surtout, c'est un métier. Hein. C'est un métier parce qu'elle a été forcée de puiser au plus profond d'elle-même pour pouvoir dire cette chose qu'elle ne pensait absolument pas. Que je ne connaissais et pas. Et j'aimerais qu'on l'applaudisse de moi aussi. Merci. Donc, à la question, est-ce que vous êtes susceptible? Pas du tout. Vous avez vu, là, regardez. J'étais heureux. Heureux de bonne humeur. Heureux. Bon, ok, on a vu. Donc, Christiana, vous êtes née à Sao Paulo, Brésil. Et votre papa était journaliste spécialisé en politique. Votre maman, mère au foyer. Et puis, vous êtes venue en France à l'âge de 9 ans. C'est-à-dire, quand vous arrivez en France, vous ne parlez pas du tout la langue. Non. Et donc, vous l'apprenez comment? Alors d'abord, on est venu pour rester 2 ans, hein, faut dire. Donc il s'est dit, bon, on va profiter, elles vont parler français, on va profiter de tout ce qu'on peut profiter en 2 ans. Donc il a été à la mairie du 15e où il avait trouvé un appartement.
Et, la mairie lui a dit « Allez dans une école de garçons. » À l'école, c'était garçon-fille à l'époque. Et il y a une classe que d'étrangers. Et ils vont apprendre que le français. Et on était toutes les trois dans la même classe, alors qu'on a, on a des âges un peu différents, qu'avec des Portugais, parce qu'il y avait une immigration portugaise énorme. Et alors du coup... Des Portugais. Bah oui. Donc mon père, au bout de 3 mois, il dit « C'est pas possible, elle a rien avec l'accent du Portugal. Ils apprennent pas le français. » Donc ils nous ont dit « Bon, allez, école normale, publique, avec les petits Français. » Et là, ça a été terrible. Hein? Ça, c'était au Brésil encore. Hein. Oui, ça se voit. Et là, on nous a mis à l'école Violet, dans le 15e, et avec cantine, école, études. S'il y avait une classe de nature, alors là, on était en immersion totale. Et on a appris, je ne sais pas, très très vite le français. Et mes parents n'étaient pas très habitués aux coutumes locales et elle est partie en voyage scolaire sans panier à manger et elle n'avait pas à manger sur place alors qu'il fallait amener le panier à goûter. Des fois, vous ne compreniez pas tout. Par exemple, vous aviez oublié votre panier repas en pique-nique. Est-ce que vous n'aviez pas compris qu'il fallait l'emmener ? Oui, au fait, quand on est parti en colonie, il fallait emmener son repas. Et comme on voulait toujours très bien faire, tout bien, ce qu'il fallait, comment les Français nous disaient, la maîtresse, l'école, tout ça, on nous avait dit surtout n'amenez pas rien à manger parce que vous allez avoir mal au cœur. Et au fait, c'était tout le contraire, on n'avait rien compris, évidemment, on ne parlait pas très bien. Donc, j'avais rien à manger. Tes deux parents sont brésiliens ? Oui. Et tu t'es amusé récemment à refaire ta carte nationale d'identité ou pas ? Non, j'ai une carte de séjour depuis 30 ans, donc je n'ai pas de carte d'identité. Et oui. Parce que c'est facile maintenant, hein, si tu veux refaire des papiers. C'est ça. J'ai juste peur de devoir la refaire, ma carte de séjour, déjà. L'appartement était une vraie ambassade du Brésil avec tous les exilés politiques qui étaient venus du Brésil. C'est vrai que vous avez connu à cette époque de votre vie pas mal de champs révolutionnaires. Oui, au fait, mon père était donc un journaliste de gauche qui recevait tous les exilés politiques. C'était l'ambassade du Brésil et c'était la dictature au Brésil à ce moment-là. Donc tous les exilés, les intellos, ils étaient tous chez moi. Et ils refaisaient le monde, ils avaient beaucoup de nostalgie du pays, on jouait la musique, ils restaient jusqu'à 4h, 5h du matin. On ne nous couchait jamais, mes parents ne nous ont jamais mis au lit. Ils ont oublié de vous coucher. Non, oui, ils disaient tant qu'on faisait... Ils nous couchaient que quand on les embêtait. Une fois, elle s'est réveillée avec un homme en bas de son lit. Chance. C'était un gros moustachu révolutionnaire qui avait pris la place de mon autre sœur dans le lit superposé. Et vous pouviez vous réveiller avec un révolutionnaire juste à côté de vous. Non, oui. C'est qu'au fait, on était deux par chambre dans des lits superposés. Et des fois, il y a des gens quand même qui se bourraient la gueule jusqu'à 5h du matin, qui ne pouvaient pas rentrer chez eux. Et mon père et ma mère venaient réveiller la sœur qui dormait, ma sœur qui dormait en dessous, et qui disaient « Là, va dormir avec ton autre sœur, il y a quelqu'un qui va dormir ici. » Et le matin, moi, je ne savais pas. Je me réveillais, j'allais la réveiller pour l'école, et je disais « Lou, Lou, réveille-toi. » Et il y avait un homme de 2,20 m qui était là. C'est Ruben. On chantait dans le lit des chants politiques comme si c'était le tube qui venait de sortir. C'était en fait un chant révolutionnaire, mais on ne comprenait absolument pas les paroles, ce que ça voulait vraiment dire. Et du coup, on les chantait à tue-tête dans le lit pour s'endormir. Ça permet d'imaginer le genre d'enfance que vous aviez. Hein. C'est pas l'enfance de tout le monde. Hein. Très beau. Et donc un peu déconnecté de la réalité, ce n'était pas comme tous les enfants. Et puis, vous appreniez des chants révolutionnaires. Vous vous souvenez d'au moins d'un? Ah, je comprends. J'en connais plein. Je sens le chant révolutionnaire. Je fais pas honneur. Si, si, tu dois pas la révolution. Tu dois bien débrouiller. Je sens très mal. Oui, j'en souviens plein. Non, je suis sûr Jean que 1. Tu. Je, oui. Jean 1. Alors, avec encouragement, s'il vous plaît. La Sibérance, tu canto y tu bandera florecer, la luz de un pueblo amanecer, annonce ya la vida que vendras. Ahora, ça c'est le refrain. Oh, l'applaudit. Ah, il y a le refrain. C'est le meilleur, c'est le refrain. Y ahora, el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido. On l'applaudit très fort. Quel souvenir, ça date de l'époque. Avec des parents de gauche chantant des chants révolutionnaires et avec seulement un titre de séjour, on peut l'applaudir parce que je pense que Christiana va bientôt nous quitter. Alors Stéphane, votre enfance. Peut pas rester, c'est bien. Dans cette émission, c'est un peu particulier. Des fois, on fait des cadeaux aux invités. On va parler de votre enfance dans un instant. Ça des cadeaux. Vous allez voir. Parce que je la connais, moi, l'émission, quand même. On va parler de votre enfance. On va essayer de voir quand est née la vocation. Mais avant ça,
pour des raisons pratiques, j'aimerais que vous m'aidiez à vous faire un cadeau. Est-ce que vous êtes d'accord? Il faut juste que vous me fassiez confiance. C'est un cadeau que je vous ferai en fin d'émission. Marrant, comme j'ai du mal à vous faire confiance. Et donc, il faut juste que vous me fassiez confiance maintenant. Ouais. Allez, pendant 2 minutes. D'accord. Allez, suivez-moi. Et vous allez venir l'aider. Alors, bien sûr, c'est un peu étrange comme ça. Je rappelle aux téléspectateurs que c'est un fond vert. On n'est pas en train de tourner Matrix, mais on n'est pas loin, vous allez voir. Et on va vous faire la surprise, le cadeau avant la fin de l'émission. Alors, il faut que vous ayez un journal à la main, le voici. Et des gants noirs, me dit-on. C'est un truc de cul. Voilà, il y en a qui fait peur quand il enfile ses gants. Vous allez comprendre le trucage, mais... Côté Francis Holm, quand même. Stéphane, d'un ton très sadique, tu dis... Eh oui, c'est moi, Stéphane Guillon, ha 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 ha. Eh oui, c'est moi, Stéphane Guillon. On peut l'applaudir. Alors, tu vas me frapper avec le journal en disant... Faites comme si elle était là. D'accord. Voilà, en disant, comment as-tu pu écrire ce torchon sur mon spectacle? Non, frappe-la vraiment, ça mettra un petit peu de... Comment as-tu pu écrire ce torchon sur mon spectacle? Bravo! Encore? Alors maintenant, tu dis c'est bon, lâchez-le un temps, et tu dis assieds-toi. C'est bon, lâchez-le. Assieds-toi. Sauf ça, j'espère que ça va être bien parce que si c'est pas bien, qu'est-ce qu'on se fait chier pour rien? Alors, je le répète, comment as-tu osé critiquer mon spectacle de la sorte? Alors, je le répète, comment as-tu osé critiquer mon spectacle de la sorte? Parfait! Attention. Bien. Stéphane, tu lis ton journal. Oui. Et tu dis... Avec des gants, c'est pratique. Oui. Un fou sinistre, aigri et hargneux, qui s'en prend toujours à Sarkozy. Un fou sinistre, aigri et hargneux, qui s'en prend toujours à Sarkozy. Oh, le regard! Fier, d'un genre fier. Et quoi? Je dérange le président? Mais c'est la consécration, ça vient récompenser 20 ans de travail. Et quoi? Je dérange le président? Mais c'est la consécration, ça vient récompenser 20 ans de travail. Bravo! Quel talent! Quel talent! Menaçant. Alors maintenant, c'est très simple. Je te donne 48 heures pour me réécrire un article élogieux. Et pas de coup fourré, compris? Alors maintenant, c'est très simple. Je te donne 48 heures, pas plus, pour réécrire un article élogieux. T'as pigé? Bravo! Ah, ça, fallait réfléchir avant. Ah, ça, fallait réfléchir avant. Trop fort, du premier coup! Alors maintenant, je vous donne ça. Voilà. Là, je vous donne ça. Et donc, en fait, il va falloir, à la fin de la phrase qu'elle va vous donner, que vous fassiez comme ça. D'accord? D'accord. Ironique, la phrase c'est « Eh bien, je vais te laisser ma carte de visite » et rire affreusement sadique et très long à la fin. « Eh bien, je vais te laisser ma carte de visite. » Magnifique! Merci à tous les deux. Alors, votre enfance. Donc, vous naissez, on l'a dit tout à l'heure dans le portrait. Bah, ça y est, j'ai chanté et tout. Attends. Vous naissez à Neuilly. Vous en parlez un petit peu dans votre spectacle. Hein. Votre maman tient une galerie d'art aujourd'hui. Votre papa était conseiller patrimonial. Vous grandissez dans un milieu aisé. Pas de galère. Vous le déplorez même. Hein. tout le monde est voilà, bouleversé. Oui. Son plus grand traumatisme, ça a été la mort de Diabolo, son petit hamster décapité par son père. Alors, quel genre d'enfant vous êtes? Donc, pas de traumatisme dans l'enfance du tout? Si, j'ai perdu mon hamster. Alors, est-ce que c'est... Mais si on a une cruauté, c'est incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon père ne supportait pas les tiroirs ouverts. Et Diabolo adorait mettre ta petite tête comme ça entre le
et il a refermé, ça fait le bruit d'une bouteille de ketchup. Et... C'est horrible. Ouais, mais c'est horrible, mais tu sais, je... J'ai milité pour le combat d'Inter après... Ça m'a, tu vois, moi j'ai compris quoi, tout ça. C'est horrible quoi. Bon, quel genre d'enfant? Déjà showman à l'époque ou pas petit? De votre souvenir? Un petit peu, oui. Un petit peu quand même. Un petit peu quand même, ouais. Dès 7-8 ans, il se lançait dans des imitations d'Arlette Laguiller, bah voilà. Pardon? Arlette Laguiller. Vous l'imitiez à quel âge? Je l'imitais, c'est ma première imitation, c'est Arlette, oui. C'est un serial imitateur, il imite tout et tout le monde. On part d'un dîner, il imite la maîtresse de maison. Moi, mon grand truc, quand il veut vraiment me rattraper, il m'imite Joe Dassin. Bon, non, mais c'est vrai qu'on me dit que vous êtes un serial imitateur. C'est-à-dire que Arlette Laguiller a 7-8 ans. Ouais. On l'a vu, Sarkozy sur scène. Qui doit Joe Dassin, on m'a dit. C'est une surprise pour le public et pour moi, je dois l'avouer. Ouais, non, mais ça va rester une surprise. Hein, je vous le confirme. Non, je n'imite pas Joe Dassin. Non, non. C'est quoi, une parodie? Non, mais même pas. Non, c'est... Ma femme adore que je lui fasse Joe Dassin. Mais dans l'intimité. Pourquoi ça ne supporte pas le regard de l'extérieur? Non, parce que en vérité, j'évoque Joe Dassin, je n'imite c'est pas Joe Dassin, oui. On ne sait pas, nous on espère que si on envoie la musique, ça va vous prendre. On essaye, on envoie la musique peut-être juste au début. Toi, à la façon que tu as d'être. Il louche normalement quand il me limite on à moi. Il louche normalement. Bourriffe un peu ses cheveux aussi. On me dit que vous ébouriffez les cheveux, vous. Et puis il enlève sa chemise, et puis il se met de l'huile. Bon, ben, ça va, ça c'est bon. Christiana, elle a chanté. Exactement, tout à l'heure, elle a chanté un chant révolutionnaire quand même. Donc, ah ouais. Mais moi, je peux chanter un chant révolutionnaire, si vous voulez. Je peux vous faire le clip de l'UMP, si vous voulez. Oui, c'est bien rattrapé. C'est fait virer de partout, 4 lycées en 2 ans, c'était épouvantable. Est-ce que vous étiez ami avec les études? Non. C'est-à-dire à quel point? À un point même de me mettre encore en colère quand on m'en parle aujourd'hui. C'est une formule à vous, je crois. Hein. Vous avez dit un jour, il m'est arrivé de sécher le baby-foot et d'aller à l'école de temps en temps, c'est ça? Vous avez dit ça? C'est une formule à vous? C'est-à-dire qu'il y avait un petit café qui s'appelait la Tour Eiffel, en face du bahut. Et j'ai passé des années à jouer au baby-foot et à boire des mélanges de bière, limonade, grenadine. Panaché. Ouais, c'était tango panaché. Ouais, c'est, ah, ça, c'est y a bon. Que cet âge-là que tu peux boire ça. Ouais. Aujourd'hui, l'estomac refuserait. Quoi. Mais à cet âge-là, tu t'en délectes. Ouais. Et c'est vrai que je ne savais même plus où étaient les cours. C'est-à-dire, j'ai le souvenir d'avoir arpenté pendant des heures les couloirs et de chercher la haie. Alors j'ouvrais la poche, excusez-moi, et j'ai refermé. Il a été viré parce qu'il a renversé le bureau sur un professeur. Demandez-lui pourquoi. On me dit que vous avez été viré plein de fois et tout. Alors ça ressemble à une légende quand on le raconte comme ça. Ce sont les artistes, une fois qu'ils ont réussi, disent j'ai été viré de partout. Vous avez un souvenir d'une raison pour laquelle vous avez été viré? Oui, c'était en seconde. À Albert Camus, j'avais renversé le bureau sur mon prof de français. Pourquoi? Parce que j'avais été élu délégué de la classe et elle avait dit on peut pas élire un débile. Ouais, non, mais ils sont violents, les professeurs. Au bureau de mon père, il avait un passe-temps favori. Il essayait de fausser la caisse de la secrétaire de mon père. Et pas en piquant de l'argent, mais en rajoutant. Tu dois sortir lessivé de cette émission. Pendant 3 heures, ta vie est disséquée comme ça. Moi, c'est horrible. Et tu sais pas en plus, moi qui ne dis jamais rien, tu vois. Pendant des années, tu dis rien, et puis là, tu fais cette émission, et c'est... Il y a des gens, c'est arrivé à tout le monde, de piquer un peu d'argent, si les parents sont commerçants dans la caisse. Non, vous rajoutiez de l'argent dans la caisse pour brouiller la comptabilité. Ah, mais c'était une folle, la secrétaire de mon père. Elle était à un franc près, à l'époque, c'était des francs. Et ouais, elle bon. En est morte, d'ailleurs. Alors... On se demande à quel moment le théâtre entre dans votre vie. Le premier cours de théâtre, c'est à 17 ans. Il rêvait d'être Jean Marais ou James Dean. Là. Il se rêvait grand premier romantique, l'espèce de Rimbaud, les mains dans les poches, tout ça. Personne n'y croyait, évidemment, c'était impossible, improbable. Je trouve qu'on est moins détendu maintenant. Si on est arrivé là... Et là, on est... Tu sais, on est... Il voulait jouer Néron. Il voulait jouer les grandes tragédies, en fait. Alors, justement, non, c'est vrai. Pour de vrai, à 17 ans... Oui. J'ai cru que j'allais chanter une chanson là. À 17 ans. Mais oui, je fais pas, je danse. Spontanément. Alors on avait joué ensemble. C'est quoi votre rêve?
une pièce qui s'appelait Donogood, Jules Romain, où on devait prendre l'accent américain, lui et moi. Je crois que personne n'a aussi mal pris l'accent américain que nous. Je crois que c'est historique. On était extrêmement mauvais. Jules Romain. Jules Romain, ouais, Donogo Tonka, ouais. Mais dans cette pièce, il fallait jouer avec l'accent américain à l'époque. Ah ouais, ouais, ouais. Christiana, il n'y a pas d'image d'archives. Imiter les travestis brésiliens avec accent. Oui, non, parce qu'on parle d'accent, alors on me dit que vous savez faire quelques accents. Et on s'était dit, allez, soyons de bonne humeur, puisque vous rêviez, on m'a dit, hein, de jouer Néron à l'époque. Bah, tout simplement, on se fait aller deux petites minutes comme ça de Néron face à Britannicus avec l'accent américain et l'accent brésilien. Il paraît que vous faites bien ah l'accent. Ah non, pourquoi vous voulez... On rappelle que Néron est empereur, Britannicus est un peu son beau-frère. Les robes de chambre là. Venez, venez avec moi, vous allez voir. Tiens. Histoire qu'on ne se prenne pas au sérieux, on a pensé aux accents. Hein, comme ça, oui. On n'est pas dans un casting classique, etc. Vos textes, le vôtre est là. Le vôtre est là, il est en... Enfin, voilà, vous allez voir, en rose, c'est vous, en blanc, c'est vous. Dommage qu'il n'y ait rien sur la tête. Hein. Oui, on dirait un contremaître dans une usine de fromage, plutôt, non? Alors, tu connais ma faisselle, elle est très bonne, alors il faut pasteuriser un peu comme ça, c'est très bon. C'est parti. Ainsi, par le destin, nos vœux sont traversés. J'obéissais alors et vous obéissez. Donc ils n'ont pas de bras, lunettes, c'est une mise en scène sans bras, on est d'accord, hein, ils n'ont pas de bras, c'est les Muppets Show. C'est les manchots, c'est les manchots. C'est la marche de l'empereur, en fait. Ah non, mais attends, il y a un truc... Je veux bien que... Non. Je suis d'accord pour que la bande de machin nous vanne, mais le prompteur, si tu veux, il va plus moi, vite. Moi, je te dis, commence à faire chier. On n'a même pas dit la phrase. C'est le prompteur qui prend, c'était ça. Ou ouais, oui, il y en a toujours un qui doit s'en prendre quelque chose. Il ne peut pas s'en prendre une. Je laisse regarder parce que vous êtes dans le décor, hein, rassurez-vous avec le fond vert. Oh, tu veux qu'on le fasse avec un accent? Avec l'accent. Toujours pas de bras, c'est une tradition. Allez. Tout le monde demande si c'est fait exprès que vous n'avez pas de bras. Parce que depuis tout à l'heure, vous êtes tous les deux comme ça. Mais je joue comme je veux. C'est incroyable. Je vais te faire PPDA, puis après je vais te faire... je vais te faire Lucchini. D'accord. Comme ça, on sera moins chier quand même. Hein. D'accord. Et l'accent du brésilien, on aime bien. Ainsi par le destin, nos voeux sont traversés. J'obéissais alors et vous obéissez. Si vous n'avez appris à vous laisser conduire, vous êtes jeune encore et l'on peut vous instruire. Bravo. Et qui m'a instruit, hein? Tout l'Empire à la fois, Rome. Mettez à l'ombre de vos droits tout ce que de cruel, l'injustice et la force, les empoisonnements, les rapides et les divorces. Oh, Lucchini, on aime bien. Rome ne porte point ses regards curieux jusque dans des secrets que je cache à ses yeux. Imitez son respect. On sait ce qu'elle en pense. Bedos? Ah. Elle se tait, du moins, imiter son silence. Pravlo, brésilien? Oui. Ainsi Néron commence à ne plus s'efforcer. Sarko, non? Néron. De vos discours, commence à se lasser. Chacun devait bénir les bonheurs de son règne. Besnier, façon heureux ou malheureux, il suffit qu'on me craigne. On a ce qu'il faut, on nous applaudit très fort. Alors, Christiana, oui. À 12 ans, grâce à une petite annonce, votre maman vous inscrit dans un cours de théâtre à l'âge de 12 ans, ça? Oui. Elle avait trouvé un prospectus dans le métro qui disait cours de théâtre, correction d'accent, de diction, études de texte classique français. Et j'ai fait ça jusqu'à l'âge de 16 ans, le mercredi et le... C'était voilà. Toujours en portugais, les cours? Non, c'était... Là, ça y est. Il y a un nouveau complice qui vient de nous rejoindre, je voulais les saluer. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais voir si ça marchait bien, le micro. Vous entendez? Faut appuyer sur le micro. 1,
Oui, c'est assez complexe. Merci d'être là, merci beaucoup. Donc, vous êtes en cours de théâtre, on essaie de vous imaginer. C'est le coup de foudre tout de suite. Je prenais vraiment mon pied. Et voilà, je me sentais comme un poisson dans l'eau. Mais comme amusement, hein. C'était pas du tout voulu encore dans ma tête. Vous rêvez pas de faire ce métier à ce moment-là, à 12 ans? Non, je pense qu'on devait tous les ans rentrer. Pendant les 15 premières années, tous les janvier, on devait rentrer au Brésil. Donc tout ce qu'on faisait était... Provisoire. Provisoire. Donc cours de théâtre, métier, tout ça ici, c'était même pas envisageable encore. On a failli vous voir dans la boum. Oui, parce que justement, à 13 ans, j'ai fait une petite audition dans ce cours de théâtre et Françoise Ménidret cherchait une gamine pour faire la boum. Et elle m'a appelé et j'ai fait donc l'audition pour la boum. Et le problème, c'est qu'on vous a pris pour un second rôle et puis vous ne l'avez pas fait. Non, parce qu'au fait, j'avais un petit rôle dans la boum, dans la petite soirée. Donc, il y avait 3 jours de tournage, tout l'été. Et mon père, il dit, au Brésil, 3 mois, tu ne vas pas rester ici. Cinéma, c'est quoi? Non, et puis je suis partie, voilà. Pas de regret, parce que la fille qui a fait le rôle principal n'a pas fait grand-chose. Ah, mais ça, c'est sûr que je n'étais pas choisie pour le rôle principal. Bon, alors vous passez le bac. Et puis, comme vos parents ont envie que vous fassiez vraiment des études, vous vous lancez dans des études de droit. Oui. Elle avait rencontré Robert Badinter, qui est la personne illustre que nous connaissons, qui lui avait fait une dédicace sur un que sais-je. Et elle a passé un premier examen au cours de ses études de droit. Et elle a triché. Elle ne l'avouera jamais, mais elle a triché. Elle a été pincée. Et l'examinateur a vu sur le que sais-je la dédicace de Robert Badinter. Alors ça, c'est énorme. Donc, vous faites du droit. Oui. Et alors, est-ce que c'est vrai que lors d'un concours, vous avez... On a tous eu un que sais-je comme ça et vous l'avez sorti pendant les cours. Mais vous avez été prise. C'est dégueulasse. Parce que franchement, c'est un truc qui est tue. Depuis des années, qui est ressorti à une semaine. Ça sort semaine. Au grand jour, Christiane. Donc je sais très bien qu'il y a visiblement, comme beaucoup de choses ce soir. Alors là, l'anecdote, c'est quoi? C'est que quand j'ai eu, quand je suis rentrée à Nanterre en droit, l'année d'après, on allait encore rentrer. Et donc... Rentrer au Brésil. Au Brésil, voilà. Et donc mon père, tout de suite, ma fille est dans une fac de droit. Il a dû prévenir tout le Brésil que j'étais dans une fac de droit à Paris. C'était énorme. Et il m'a fait... C'est la honte. Il m'a fait rencontrer Robert Badinter. Rien de simplement moi. Rien. La fille a fait sa première année de droit. C'est normal. Il le connaissait un petit peu par des amis. Et comme Robert Badinter était à l'époque président du Conseil constitutionnel, il avait été garde des Sceaux. Pour nous, c'était le dieu vivant. Il avait aboli la peine de mort. C'était quelqu'un d'extraordinaire. Et c'est toujours quelqu'un d'extraordinaire que j'adore, d'ailleurs. Ah, c'est pas une raison pour utiliser ses signatures, quand même. Moi, je ne sais pas si je lui dédicacerai mon prochain livre. Allez-y, allez-y. Je vous expliquerai juste après. Et j'étais donc au bureau, au Conseil constitutionnel, face à Badinter, pour un rendez-vous que je ne sais pas qu'est-ce qu'il voulait qu'il me raconte. Bon, c'était gentil. Et on avait le droit, quand on était en droit, à la Constitution. J'avais un petit que sais-je d'étudiant avec les articles de la Constitution. Et j'avais été le voir et on avait discuté. Et il m'avait signé ma Constitution. En disant pour toi, Christiana, il m'avait montré son papier avec l'abolition de la peine de mort. C'était vraiment un rendez-vous génial. Et il m'a dit pour toi que tu aies une grande carrière dans le droit, tatati tatata. Bonne chance, c'est un beau métier, Robert Badinter. Et donc j'étais très fière. Bon. Et puis arrive un examen. Un examen où normalement on a le droit à la Constitution. Et l'examinateur dit. Pour là, pas de constite pour celui-là. Et du coup, le temps à l'amphi qui distribue les copies, je commence à réviser quand même quelques articles. Et je commence en cachette. Ah oh merde, j'ai pas vu ce truc. Je commence à regarder. Évidemment, au bout d'un moment, je vois une main qui me prend ma constitution, qui dit « Je vous ai dit que vous n'avez pas le droit. » Et il l'ouvre. Et c'était « Pour toi, Christine, que j'ai une belle carrière dans le droit, Robert Badinter, alors que j'étais en train de tricher à l'examen. » C'était terrible. Évidemment, j'ai arrêté le droit. Mais ça, magnifique. Est-ce que vous pouvez nous faire la tête de l'examinateur, quand même? Ah bah oui. Et il disait « Franchement, vous n'avez pas honte ?»
Mais bon, j'ai dit, j'ai pas eu le temps, hein. Franchement, ça faisait même pas 5 minutes qu'on avait commencé. Bon, en tout cas, c'est une belle histoire. Donc, c'est vrai que première année de droit, et vous connaissez, vous avez croisé Robert Badinter. C'est vrai. Mais vous ne vous en étiez jamais vanté, là. D'un coup, on sort l'info. Non, parce que pour lui, même. C'est pour lui que j'ai fait ça, c'est pas pour d'accord. moi. Est-ce qu'il y a dans ce métier, on croise plein de gens. Est-ce qu'il y a parce que vous n'êtes pas du genre à vous vanter, en fait, de connaître telle ou telle personne. Non, mais je ne connais pas beaucoup, beaucoup de monde. Mais si, elle ment comme elle respire. Il n'y a pas des gens importants que vous connaissez, vous auriez pu frimer un peu, vous ne l'avez pas vraiment fait. Elle le fait tous les soirs au théâtre, elle regarde derrière le rideau et elle s'imagine que tout Paris est dans la salle. Elle voit une mauvaise blonde avec une mèche, elle se dit, tiens, il y a Lynn Renault ce soir. Pardon pour mon illustre voisin, que je respecte beaucoup, mais elle voit quelqu'un de grisonnant avec les cheveux bouclés et dit « Oh, c'est sympa, il a tellement de boulot, et ben il y a Lionel Jospin ce soir. » Et on ne la croit pas. Et évidemment, on ne la croit pas. Bon, on me dit qu'en fait, quand vous êtes au théâtre, il vous arrive comme ça de penser que tout Paris est là. Et... oui, parce que c'est notre grand jeu avec un collègue de travail, qui s'appelle Pierre Cassignard, qui est de regarder par le trou et de trouver des sosies, comme s'il y avait tout le métier qui était là. Donc on a de temps en temps, on dit « Oh, Lynn Renault avec Ségolène Royal !» Et on doit trouver des sosies dans le public de gens que... D'accord. Voilà. Mais il y a des vraies personnalités, il n'y en a pas qui viennent. Si, il y en a. Mais genre la personnalité qui vient vous voir, où là vous pouvez frimer, vous dites « Bah ouais, je connais machin ou je connais machin. » Je connais... Pas un sosie, un vrai. Un vrai, j'en ai plein, je ne sais pas là dire quoi. Comme visiblement, je vois qu'elle ne pense pas à moi. Je veux montrer que moi, je pense à elle. Je suis à côté de son partenaire, bien sûr, donc les compliments vont aux deux. Mais enfin, ce qu'elle fait dans... Léonie est en avance, la petite pièce de Feydeau, c'est extraordinaire parce qu'elle arrive, ce qui est une très grande performance d'actrice, elle arrive à s'en les dire. Bon, on va y venir dans un instant. Je ne peux pas trop dire de choses, il y aura des indices. Non, c'est vrai que Badinter, ça m'a impressionné. Je me suis dit, moi, à l'époque, j'aurais frimé. Vous n'aviez pas frimé. Et puis, parmi les personnalités, il y avait des fausses Lynn Renault, mais il y avait des vrais Lionel Jospin. Ah oui, il y avait Lionel. Oui, Lionel, oui. Vous dites Lionel, vous. Lionel Jospin. Je sais plus du coup. Brad Bruce et Lionel. Oui. Vous le connaissez. Oui. C'est quelqu'un que j'ai rencontré en 95 grâce à Sophie Agacinski et Jean-Marc Thibault, avec qui je tournais un film et on est restés amis. Et c'est quelqu'un que je connaissais depuis toute petite, personnellement, mais de nom comme ça, parce que c'est quelqu'un qui a une influence très... qui a été très bien pour le Brésil à l'époque où Mitterrand était premier secrétaire au Parti Socialiste. C'est bien de parler de politique, mais il faudrait peut-être, Christiana, parler de ma tarte aux pommes. Quelque chose pour le Brésil. Quoi ? J'ai des infos. Quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'admire beaucoup, et avec qui j'ai, depuis 1995, une certaine amitié. On part en vacances ensemble, genre ? Non. Mais on se fait des petits dîners, il vient me voir au théâtre, on va chez Sophie Jean-Marc en vacances chez eux dans le Sud. D'accord. Mais non, mais parce que moi, ça m'a fait rire, parce que c'est vrai que c'est quelque chose dont vous ne vous êtes pas vraiment vanté. En fait, vous le connaissez depuis longtemps, alors en plein exercice, lorsqu'il était Premier ministre et tout ça. Et... Non, parce que ça va avec sa façon d'être à lui. C'est-à-dire, lui, c'est pas quelqu'un... Ah, il est exubérant, Jospin, quand même. Hein. C'est un sacré déconneur, Lionel. Non, mais c'est la question. Dans la vie, tu serais étonné, je pense. C'est vrai. Oui, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour. C'est vrai qu'on a une image de lui comme quelqu'un de sérieux. Oui, parce qu'il... Il a une vraie... Il a un côté très... Et on a dit qu'il était gaffeur. C'est ça qui est-ce qui disait qu'il était gaffeur. Bonsoir. Merci d'être là. Bonjour, bravo, vous avez commencé à dire du mal de moi. Oui, me mets là, alors. J'étais prête à lui balancer mon verre d'eau. Hein. Non, mais il a failli le recevoir. Donc c'est tout. J'aime bien votre réaction. Oui. C'est vrai qu'il nous a fait beaucoup rire là-haut, Lionel Jospin. Je vous remercie d'être là, vraiment, je voulais applaudir. Merci. Non. Et il est arrivé avec une tarte aux pommes. Oui, parce que c'est quoi l'explication de cette tarte aux pommes? Alors, Lionel... Alors, oui. Christiana et Francis, c'était chez Sophie Agacinski, ma belle-sœur, chez Jean-Marc Thibault, chez Alexandre, parce qu'ils avaient tourné ensemble pendant 9 mois à Cuba le grand feuilleton Terre Indigo. C'est comme ça qu'on s'est connus, et depuis, ensuite, nous sommes devenus amis
avec Sylviane, ma femme, et Christiana. Et il disait aimer beaucoup la tarte aux pommes, si bien que Sophie leur servait souvent de la tarte aux pommes. Et à un moment, ils partaient au Brésil, Christiana repartait au Brésil, et en disant, bon ben merci, c'était sympa la tarte aux pommes, mais ça va bien. Et donc moi, qui je crois était Premier ministre à l'époque, j'ai téléphoné à une amie à Air France pour lui dire que ça serait sympa dans l'avion qui les conduit au Brésil de leur apporter une tarte aux pommes. Et donc l'hôtesse et le steward sont venus pour leur apporter une tarte aux pommes au moment du dessert dans le vol Paris-São Paulo. Oui, hein. C'est ça. Voilà, alors évidemment, ils ont hurlé de rire parce qu'ils ont immédiatement pensé d'où ça venait. Voilà. Voilà. D'où la tarte aux pommes. C'était un petit clin d'œil, ça nous a... Voilà. Donc c'est une idée à vous. Donc, ce que venait de dire Stéphane, donc vous êtes un blagueur. Non. Et ça, on le savait. Et pas. Voilà, j'avais raison. Alors, est-ce que je peux me permettre de dire quelque chose? C'est lui qui s'y fait. Est-ce que je peux me permettre de dire quelque chose? Alors, je ne sais pas si ça va te plaire, hein, Lionel, mais bon, je vais quand même le dire. Un jour, dernièrement, on était en dîner et on parlait de tout, des actus, de tout le monde. Et on parle de Stéphane, mais juste comme ça, de la fameuse chronique de DSK. Et on est en dîner tranquillement et tout. Et puis Lionel dit, attends, la chronique de DSK, c'était Stéphane Guillon, c'est celui qui a dit, attention, la DSK, il arrive à Inter, cachez-vous, les filles, enlevez vos barésies. Je dis, oui, oh, j'aurais adoré qu'on dise ça sur moi. Le scoop. Ça, c'est là. Ah, ça, vous n'entendez pas. Attention, voilà Lionel, cachez-vous les filles. Je vais faire quelque chose, quoi. Je vais... Dès demain. Bon, en tout cas, moi, je suis ravi que vous soyez là. C'était important, parce que on ne vous voit pas tous les jours à la télévision. Donc, qu'est-ce que vous avez envie qu'on sache de Christiana qu'on ne connaissait pas? Elle aime la tarte aux pommes. Première info. Non, mais c'est une, pour moi, une très grande comédienne, parce qu'elle peut à la fois être... séduisante dans La Locandiera, elle peut être tragique dans Good Canary, et elle peut être incroyablement drôle dans cette pièce de Feydeau, où elle se déguise en une sage-femme. Ma mère était sage-femme. Ma mère était une belle femme. Mais là, elle se déguise en une femme avec des fausses dents, des espèces de couettes à la bécassine, une moustache. Et elle est à la fois autoritaire, c'est un formidable personnage de composition, et pouvoir être à la fois une comédienne, enfin je veux dire une comique, une tragique et une séductrice, bah, c'est l'apanage des plus grandes. On l'avait jamais vu faire votre promo. Alors un mot sur Lionel Jospin. Lionel, il pourra écrire ce qu'il voudra demain, Stéphane. C'est moi, je ne connais pas la politique, je ne suis pas quelqu'un. Je vis par mon père et j'entends des choses, j'ai mon avis comme tous les citoyens, mais ce que je voulais juste dire, c'est que j'ai fait 30 ans de France, j'ai grandi au début dans une dictature au Brésil, et il y a des choses... C'est un petit peu rajeuni, là, en disant 30 ans de France. On peut tout penser, des fautes, des erreurs, il y en a toujours. Bon, mais la droiture, l'honnêteté, la loyauté, ça, il n'y en a pas souvent. Et ça lui est reconnu par ses adversaires. Et c'est quelqu'un qui l'a, voilà. Et c'est vrai que et ça, c'est dans la vie et dans la politique. Et ça, j'ai beaucoup d'admiration, non seulement pour lui, mais pour les gens qui sont comme ça. Et lui, il en fait partie. Bon. Alors moi... Lionel raconte Jospin, c'est le livre qui fait événement en ce moment. Vous avez répondu aux questions de Patrick Rothman et Pierre Favier. Ils ont insisté beaucoup pour que vous le fassiez ou pas? Un peu, oui. Un petit peu? Un peu. Bon, c'est vrai que c'est Stéphane, le livre? Il y a une recette de la tarte aux pommes. Non, mais c'est des questions très intéressantes et qui n'ont rien à voir aussi. Merci. Avec la politique. Alors je le montre et je vous donne juste après. Donc c'est vrai que c'est la première fois que vous racontez votre parcours, depuis l'enfance, l'engagement. Il y a une phrase de l'éditeur que j'adore, c'est votre vie mais c'est notre histoire. Et donc vous revenez sur tout, hein, sans tabou, sur 2002, sur 95, sur tout ça. Avec cette question lancinante, va-t-il revenir à la vie politique? Honnêtement, la réponse n'est pas dans le bouquin, je peux le dire. Non, non. Hein? Non, la réponse est si, elle est clairement négative. Et ce que je peux dire pour finir, simplement, parce que je ne veux pas vous encombrer davantage, c'est que Christiana m'a fait l'honneur et le plaisir, quand j'étais dans des élections, il y a quelques années, d'être dans mes comités de soutien, oui, comme on dit, avec d'autres, bien sûr. Alors, aujourd'hui, je suis définitivement dans son comité de soutien. Magnifique, quelle chute.
monsieur. Lionel, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Lionel Jospin. J'en ai pour la semaine au théâtre, ça va être terrible. J'en ai pour la semaine au théâtre, elle va en parler. On s'attend à une réplique. On nous avait dit en début de soirée que vous étiez gaffeur. J'adore parce que quand mes invités en général voient quelqu'un derrière, ils restent de marbre. Vous êtes roulé par terre. Donc effectivement, le côté gaffeur. Vous aviez une réplique, non? Vous aviez quelque chose à dire, non? Du tout. J'ai trouvé ça, ce départ assez beau et un peu... un brin de... de tristesse, quoi. Bon, c'est le chroniqueur qui a repris le dessus. On va quand même distribuer la tarte aux pommes au public. Hein. Vous devriez vous présenter aux élections. Faites passer. Donc, Stéphane. Oui, qu'est-ce qui se passe? Votre parcours. Pardon. On vous a laissé à l'époque, vous étiez en plein cours de théâtre. C'est vrai que pour les téléspectateurs, c'est facile de faire des ellipses hein, dans une vie, parce qu'on est loin de vous. Il y a eu quand même pas mal d'années hein, entre le moment où vous voyez sur scène triompher au De Jazé tous les soirs et puis les cours de théâtre. Il y a eu pas mal d'années que vous appelez comment? Vous appelez ça galère, vous, ou pas? Vous dites quoi? Oui. C'est quoi votre formule? Non, galère. Vous dites galère? C'est quoi? Quelques téléfilms, en fait? Non, j'ai fait quelques téléfilms qui sont pas restés dans l'histoire de la télévision. J'ai fait pas mal de petits boulots. Et j'ai fait quelques films cinéma qui sont pas restés non plus dans l'histoire du cinéma. Il y a des gens, vous savez, on aime beaucoup quand les gens ont du flair dans ce métier, quand on connaît le parcours d'aujourd'hui. Il y a des gens qui vous ont dit « abandonne, t'es pas fait pour ça », c'est arrivé? Margot Capelier, célèbre casting directeur, qui un jour m'a dit que fait votre mère. Je lui ai dit elle vend des tableaux, et elle m'a dit « vendez des tableaux ». Bon, vous n'avez pas vendu de tableaux, vous avez vendu des téléphones. Bah si, regardez, on a des images. Ah. Attends, tu le connais avec ses principes. Quand tu dis pas de cadeau, c'est pas de cadeau. Bon, écoute, le voilà, je te le passe. Tiens, c'est pour toi. Bah, on avait dit pas de cadeau. Ça me fait hyper plaisir. À tous ceux qui rêvent d'un abonnement pour Noël, s'offre 240 francs et jusqu'à 9 heures de communication partout en France. Ah, ça me fait plaisir. On voit donc qu'il a une carrière en franc. Hein, ça, voilà, c'est pas un monsieur de l'euro, hein, c'est une carrière en franc. Hein. Carrière en franc, on se dit. Vous pouvez nous replacer dans le contexte, la publicité, comment ça se passe en fait, C'était une pub pour France Télécom. Il y a eu la vague de suicides qu'on connaît depuis. Et... depuis la pub. C'était donc, pour France Télécom, oui. Vous avez donc, 240 voilà, francs les 9 heures. Déjà, on se faisait avoir à l'époque. Donc ça veut dire qu'on est obligé d'accepter des pubs ou quand on se régale, non, on se dit, on s'est remarqué. On n'est pas obligé. D'abord, cette pub, elle était assez... assez vue. Assez jolie en plus. Il y a une lumière, etc. Et puis, j'en ai pas fait beaucoup. J'en ai fait une ou deux. J'ai pas fait des trucs... Oui, il pourrait aussi parler de son plus grand rôle qu'il a fait pour se faire réformer à l'armée quand il était travesti. On me dit son plus grand rôle, mais nous, on n'était pas là. C'était au moment du service militaire. Ouais. J'y suis allé pieds nus, en haut de smoking et en bas de survêtement. Et vous leur avez dit quoi? Et je répétais en boucle « Attelez les chevaux, Firmin, nous partons bon, ». Trois jours. Mais ça a marché. Et ça a tellement bien marché qu'à la fin, quand ils m'ont mis P4, ils m'ont proposé de me ramener à la maison. Après ça, il a enchaîné plein de petits boulots pour survivre. Il a fait plein de trucs absolument improbables, dont quand même, quand on voit son physique développé, hein, il a été déménageur. D'accord. Vous avez fait d'autres petits boulots qui n'étaient pas des métiers... Vous n'étiez pas comédien, forcément? J'ai fait déménageur, barman... Les gens ont ri quand on nous a dit que vous étiez déménageur. Ouais, on comprend pas pourquoi. Moi non plus. Et eux non plus, d'ailleurs, qui m'avaient engagé. C'est-à-dire? Au bout de 15 jours, ils m'ont demandé de partir, quoi. Déjà, je comprenais pas quand ils parlaient. Et j'osais pas leur demander, parce que je me disais, je vais pas aller blesser ces gens-là. Mais au bout de 8 jours, quand même, je comprends pas. Quoi. Ils m'ont dit, c'est normal, on parle auvergnat. Donc ils parlaient en truc ça. Et alors, c'est bien l'auvergnat, pourquoi? Non, mais c'est vrai. Non, c'est vrai. Mais c'était à Levallois-Perret, c'était à l'époque où il n'y avait pas encore les Balkany. Il y avait une vie de quartier. Déménageur, c'est quand même un problème, ils ne supportent même pas de porter une valise, c'est moi qui porte les valises. Oui.
Il y a des gens qui ne vous imaginent il pas. Il a le dos fragile, c'est tout. Il a le dos fragile. Oh là là. Il a toujours une hernie discale, un truc qui déconne. Il a toujours un truc qui ne va pas. C'est vrai. Je ne peux même pas tout répéter. Mais c'est ça, il est complètement hypochondriaque. Il faut bien l'avouer. Non, non, il a toujours mal quelque part, au genou, au dos, au cou. Il a toujours. Il arrive en scène, il a un rhume, ça va pas le faire, il pourra pas enregistrer. Ah non, là il peut pas. Ah non, mais le lit n'est pas bon. Il a mal non, à la tête, vous savez voilà. Pas penser aux aspirines, vous êtes vraiment des nuls. Il fait froid dans la loge, la chambre est pas assez bonne. Je peux pas te répéter. Non, mais je crois que ça s'appelle un casse-couille, je crois. Je ne suis pas sûr, mais je crois que c'est ça. Non, non, parce qu'il y en a qui vous imaginent pas déménageurs, robustes, ne se plaignant jamais. C'est un peu vous, ça, ne se plaignant jamais. Alors, je vais te dire, parce qu'on a le droit de pas être d'accord avec la brochette là-haut. Je me plains rarement. Je ne crois pas. Non, c'est pas possible. Est-ce que vous me connaissez? Est-ce qu'on s'était déjà vu avant? Est-ce qu'on s'était... Ils sont du côté... Mais c'est eux, incroyable, hein. Mais eux, visiblement... C'est incroyable. Eux, visiblement, ont l'air tous d'accord. Non, je me plains jamais. Pendant cette période-là, parce qu'aujourd'hui, on en parle avec le recul et avec le sourire, pendant cette période-là, avant d'écrire, avant de vous mettre à écrire, est-ce qu'il y a un moment où on a envie d'abandonner? Est-ce qu'il y a un moment de désespoir? Dans les années 90, j'avais déjà pratiquement... plus de 10 ans de galère. Et je me suis dit que si j'écrivais pas mon spectacle, si je me donnais pas à moi du travail, je pouvais continuer encore comme ça pendant des années. Et j'ai démarré le One Man Show en 90, j'ai encore galéré pendant des années, mais au moins j'avais un truc à moi, tu vois, c'était un métier d'artisan. Et bah c'est simple, il est monté sur scène et personne n'est venu le voir, mais il continue à monter sur scène tous les soirs. Très courageux, cela dit, c'est très courageux, parce que c'est super violent de monter seul sur scène. Donc c'est colossal. Non mais justement, comment vous faites quand vous montez sur scène? On dit que les salles n'étaient pas toujours pleines. Elles étaient vides même. Elles étaient vides. Ouais. J'étais le grand spécialiste des salles vides. Mais comment on le vit alors? C'était ma spécialité. Je suis le gars qui a le moins rempli pendant des années. Et aucun n'a réussi à me battre. C'est un record que je vais... Hein. Donc, non, mais c'est pour ça, on le dit en souriant aujourd'hui, parce qu'évidemment c'est tout le contraire. Donc concrètement, le succès est venu comment? Est-ce que c'est le moment où vous avez trouvé, j'ai envie de dire, votre style, le côté féroce dont on parle tous les jours, etc. C'est le moment où il a trouvé sa femme, connaître. En fait. Hein. c'est ça qui vous a fait connaître? Non, mais dans le succès, c'est comme tu as des paliers, tu vois. Ouais. Je dirais que l'année dernière, cette chronique dont a parlé Monsieur Jospin sur DSK a été un accélérateur incroyable pour moi de notoriété. C'est-à-dire que tout d'un coup, tout le monde te connaît parce que ce truc-là qui se passe. Et après, c'est vrai que c'est plus facile. Ouais. Disons, les gens ont commencé à me connaître quand j'ai fait les portraits des invités chez Berne. Mm-hmm. Et la question, c'est qu'on vous l'a beaucoup posé à l'époque, on a un petit peu de recul, mais quand vous faites vos portraits, où effectivement le public ne vous connaît pas, et vous parlez de gens que le public connaît et adore, il faut quoi? De l'inconscience, du courage? C'est quoi l'idée de se retrouver à dire des choses? C'est un mélange, parce que ce que m'ont dit les patrons de Canal+, c'est qu'ils ont été... submergé de lettres de gens réclamant ma démission. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est qui ce petit con qui n'a jamais rien fait, qui se permet de s'asseoir devant des vedettes confirmées et de leur dire que leur disque est nul, par exemple, tu vois. Comme le livre qu'avait écrit Sylvie Vartan qui lui disait que ça pourrait servir à faire un marchepied pour une caravane, par exemple. Il y a eu des livres... Vous avez conseillé à des auteurs qu'on pouvait se servir de leur livre comme marchepied pour une caravane. Oui, Sylvie Vartan. Non mais c'est ça la question. Parce qu'elle, elle avait été vue avec ses mémoires, qui étaient épais comme ça. Et j'avais essayé de le lire, parce que j'ai essayé de faire mon boulot le mieux possible. Et je lui ai dit que c'est vrai que le meilleur truc, si on partait en vacances, c'était un calepied pour une caravane, quoi. D'accord. Et elle l'a pas très bien pris. Bon. Nous, on a demandé à vos victimes de réagir. Ah, ça, c'est une bonne idée. Savoir comment elle avait vécu. Vous vous êtes posé la question de savoir comment il avait vécu? Du tout. Non. Vous préférez pas savoir? Non, vous savez, le bourreau, généralement, ne... ne veut pas savoir. Ne prend pas de nouvelles après. Bon. Il y en a qu'un qui a accepté de répondre. Ça m'étonne pas. À votre avis? Vincent Delerme. Non. Benjamin Massimo Gardia. Ah oui, vous appelez ça un... Alors, qu'est-ce que vous aviez dit sur lui, vous vous rappelez ou pas? Parce que lui s'en souvient bien. Mais Massimo Gardia, il n'y a pas de travail, il suffit de répéter ce qu'il dit et c'est drôle. Bon, allez, il vous répond. Chers ces femmes, je n'ai jamais oublié une émission dans laquelle vous m'avez torturé d'une façon très cruelle. Je crois que vous étiez poussé par la jalousie pour moi. Parce que vous n'avez jamais vécu les moments extraordinaires que j'ai eus dans ma jeunesse. Vous n'avez jamais eu les femmes que j'ai eues.
Et vous aurez jamais ça, parce que vous n'avez pas de charme. Oh, le salaud. Et vous êtes pas beau. Et si moi j'ai vendu mon corps pour l'argent, vous avez vendu, et c'est pire, votre âme pour l'argent. Vous avez compris que pour faire de l'argent, on doit être méchant. Mais un jour, cette haine dans laquelle vous vous réveillez le matin va se retourner contre vous. Et vous allez la payer très cher. Bonne chance, Stéphane. Ah non, 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 non. Je vais répondre. Je n'ai pas connu les femmes, mais j'ai connu la femme, ma femme. Ouais, ça ressemble à une prophétie, ce qu'il dit, hein. Ça fait peur, hein. Vous allez et voir, la deuxième chose, je trouve assez étonnant d'arriver encore à avoir une expression de visage avec autant d'injections de Botox. Genre, il ne peut pas s'empêcher. Alors, est-ce que des gens pensent que vous êtes comme ça dans la vie ? On va essayer de voir un peu qui est le... Mais en fait, est-ce qu'il y a vraiment une confusion aussi vraie que du coup, dans la vie, quand vous êtes un peu sympa, les gens sont super étonnés ? Ah oui, si je tiens la porte à une dame, une vieille dame, dans la... parfois, elle me dit « Oh, je ne vous imaginez pas comme ça !» Ça, c'est tout le temps dans la rue quand je me balade avec lui et qu'il est gentil avec moi. Les gens viennent me dire « Ah bon, mais il est gentil, en fait. C'est dingue, je pensais qu'il vous battait. » Bon, on a demandé à quelqu'un qui vous connaît dans le travail de nous dire un mot sur vous, à la fois sur le plan professionnel, mais aussi hors caméra, parce qu'évidemment, le public veut savoir. Voici la réponse. Guillon, c'est vrai que c'est un méchant, quoi. Il fait partie de ces comiques que j'aime. C'est-à-dire qu'il est comme Tim Seat, quoi. C'est des gens qui balancent, comme Coluche. Comme Guy Bedos, c'est des gens qui ne se contentent pas comme d'autres comiques, comme Gad Elmaleh, comme Arthur, comme Danny Boone, qui ne se contentent pas de parler des petits problèmes quotidiens, c'est-à-dire, attention, le jour où vous vous mariez, faites bien attention de quel côté du lit vous vous couchez, parce que pendant 40 ans, vous allez coucher de ce côté-là, voilà. Ça, c'est des problèmes de couple, c'est des problèmes de tous les jours, qui ne sont pas finalement très intéressants. Guillon, il a cette dimension, Lenny Bruce, c'est-à-dire, c'est un être politique, qui dit des choses sur la société et qui ne se contente pas de nous parler des samedis après-midi chez Ikea pour choisir l'étagère qu'on n'arrivera jamais à monter. Voilà. En même temps, c'est un sale con parce qu'il est pénible. C'est-à-dire que tous les jeudis matins, il nous appelle en nous disant « Ah, oh, j'ai rien, je viens pas ». Donc c'est un mec qui est insupportable. Mais comme il a énormément de talent, on lui pardonne beaucoup de choses. Il me l'a énervé, je pense. Hein. On me dit il est énervé, donc vous n'êtes pas énervé. Non, je ne suis pas énervé, si tu veux, cette histoire de... Je ne suis pas énervé. D'abord, je voudrais rendre hommage à mes camarades Gad Elmaleh et Danny Boone, parce qu'on a... Pendant des années, les humoristes politiques ont été les parents pauvres. Et il n'y a aucune raison où aujourd'hui l'humour politique revient très fort, que ce soit eux qui deviennent les parents pauvres. Moi, j'ai toujours dit que chacun, mais franchement, je le pense, à partir du moment où les gens ont du talent, et Gad a beaucoup de talent, et Danny aussi, je pense que chaque humoriste a sa place. Et c'est bien que les gens, parfois, ils ont envie d'aller voir Gad, et que parfois, ils ont envie d'aller voir Guillon ou Canclou. On coupera ça au montage, non ? Parce que là, on n'y croit pas une seconde, on est d'accord. Non, il y en a qui disent, on va couper au montage, on n'y croit pas. Mais moi, je vous crois sincère. Tu garderas le tout, tu couperas tout, mais Thierry Ardisson, c'est quelqu'un qui a toujours extrêmement bien parlé de moi en dehors, jamais dit une saloperie sur moi. Il m'a souvent défendu sans me le dire, partout, 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 partout. Et ça, c'est vrai que c'est extrêmement rare dans ce métier et j'en suis gré vraiment à Thierry Ardisson. Christina, donc, on l'a vu, hein, vous faites du théâtre au début pour perdre l'accent, ensuite vous faites des études de droit, bon, et puis finalement c'est quand même, à un moment donné, très courageux de votre part, puisque quand vos parents rentrent au pays, vous dites « moi je reste », ils vous préviennent qu'ils ne pourront pas assurer. Hein, donc, ils ne sont vous pas rentrés. Hein. Non ? Ils ont dit qu'ils allaient rentrer, mais ils ne sont jamais, rentrés. Et vous vous débrouillez toute seule. Oui. Donc, oui. Chambre de bonne, petit boulot. Non, non, en fait, quand ils devaient rentrer, je me suis dit, bon, bah, je m'inscris au cours Florent, j'ai eu la classe libre, donc je ne payais pas l'école. Et je me suis trouvé un job dans un magasin de sport. Et je me suis dit, bon, après tout, s'ils rentrent, bon, voilà, je ne paye pas l'école, et puis j'ai un job. Et donc, et en fait, ils sont
ne sont pas rentrés. D'accord. Donc, le cours Florent, il y a une rencontre avec Francis Huster, oui. Des petites panouilles, comme vous dites, dans le métier, etc. Et puis, Lorenza Chiu, c'est la première fois que vous jouez. Oui, j'étais figurante. D'accord. Au rond-point, mais je prenais ça très au sérieux. Et donc, du coup, c'est une évidence pour vous que c'est fait pour... Oui. Voilà, c'est votre métier, c'est ça que vous voulez faire, avec la précarité dont on parle depuis tout à l'heure. Et puis, c'est impossible de citer tout, parce qu'il faut faire des ellipses. Hein. Évidemment, oui. On vous a vu au cinéma avec Claude Lelouch. Au théâtre, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses, parce qu'il y ait des nominations au Molière, etc. La télévision aussi, parce que le grand public vous a connu à la télévision, avec des records d'audience. Et c'est vrai que Lionel Jospin en a parlé, ça m'a fait bizarre dans sa bouche, Terre Indigo. Oui. Tournage très, très long. Très long, 7 mois à Cuba, sans rentrer. Enfin, les 4-5 rôles principaux ne rentraient pas à Paris. Ouais. Et ça a été, je crois, qu'une expérience, 7 mois de Cuba dans des patelins, parce que c'était un mois de Havane. Le reste, c'était des patelins à Cuba. Et c'était un rêve d'aller à Cuba. Et j'ai adoré ce pays, avec toutes les difficultés qu'on connaît, tout ça. Mais j'ai adoré. C'est une aventure super. C'était un petit peu compliqué, d'ailleurs, pour Christiana, pour les questions de toilettes, parce qu'on nous avait attribué des toilettes chez les gens, en fait. Et tous les matins, elle partait en robe de princesse faire ses besoins chez les gens. Donc, c'était très rigolo. Parce que les gens n'imaginent pas Saga, TF1, etc. Oui. On imagine que c'est super production hollywoodienne. Oui. Mais en fait, quand il fait des besoins pressants, directement. Oui, parce qu'à Cuba, il n'y a pas beaucoup de toilettes. Hein. Et c'est vrai que quand on tourne dans des patelins ou dans des campagnes et qu'on a une cantine cubaine... Bon, bah, des fois, c'était on frappait aux portes des habitants, s'il vous plaît, laissez-nous rentrer. C'est vrai que... Parce qu'il y a eu une vraie épidémie de gastro, on peut le dire. Oui. Vous mangiez pas forcément toujours très bien, c'est vrai que des fois, vous étiez... Il n'y avait rien à bouffer, c'est vrai. Vous n'aviez pas toujours le même poids dans le film, d'ailleurs. Ah oui, c'était terrible, ça. Parce que on a maigri de 10 kilos chacun. Et le dernier mois, on tournait à La Havane, où il y avait, dans un hôtel continental, comme ça, il y avait donc la bouffe continentale. Voilà. Et donc, on a bouffé, on a eu une crise de boulimie pendant le dernier mois. Sauf qu'on tournait des fois des entrées dans une maison 6 mois avant, et dans la maison le dernier mois, puisque le décor changeait. Et donc, avec ma copine Charlotte Caddy, on avait tellement maigri, on avait une scène dans la rue où on frappait à une porte, et quand on ouvrait la porte, on se retrouvait... la robe qui nous boudinait. C'était horrible. Donc, dans une même grand succès de Terre Indigo, qui est un film comique, finalement. C'est un succès de faux raccord. J'ai envie de savoir un peu Christiana Reali dans la vie, quoi. Est-ce que c'est quelqu'un de... Parce que finalement, vous passez pour un méchant, vous êtes un gentil. Vous passez pour une gentille, peut-être que c'est une méchante. C'est voilà. Une méchante dans la vie, bah, ou pas ouais. Ouais. Non, justement, c'est le contraire. Elle avait offert à tous ses potes, quand elle a fait la pub Lancôme, un voyage. Et donc, demande-lui de lui ce que ça fait de bronzer avec une paire de testicules à 20 cm du nez. Laissez tomber. Oula, oulala. Bon, on me dit que vous êtes en vérité... pas du tout méchante, plutôt généreuse. Vous avez un gros contrat avec une marque de cosmétiques. Oui. On voit dans tous les aéroports. J'ai eu, oui. Oui, on voit dans tous les aéroports du monde entier. Mmh. Donc, bon, il y a un peu de sous. Bah, au lieu de tout garder pour vous, vous dites, allez, les potes, je vous invite sur un bateau. Oui. Tout s'est bien passé là-bas, sur le bateau. On a eu un skipper un peu bizarre, c'est ça? C'est ça l'histoire? Oui, parce que c'est ça la phrase. On m'a dit, demandez-lui pourquoi elle a bronzé avec une paire de testicules à 10 cm du visage. Je n'ai pas compris. Non. C'est comme alors, ça que vous êtes rendu compte. Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'était un catamaran et dans les un bateau, donc tout s'ouvre comme ça par terre. Et moi, bon, je ne suis pas sportive bateau. Je voulais les grenadines, les lagons, bronzer, me plonger. Donc je bronzais un moment sur un bout du bateau, comme ça. C'est ce que je vous ai dit, comme ça, sur le ventre. Et le mec, parce qu'il va se baigner, il se fout à poil, parce que c'est la nature, je suis skipper, moi la nature, le bateau, attends, moi je suis pas un touriste, hein. Il vient chercher un truc sur mon ventre, c'est-à-dire dans la boîte qui était sur mon ventre, et il me fait, tiens, tu peux te pousser s'il te plaît. C'est risqué, nature quoi. Et là je dis, ah. Mais ça va pas être possible, ça va pas être possible. Parce que c'est ça qu'on dit, c'est que quand vous avez envie de dire les choses, vous les dites. Ah oui. Non, oui. Voilà, le côté douce comme ça, non, c'est l'apparence. Il y a des choses, je m'en fous de m'engueuler pour rien. Je suis pas quelqu'un qui va s'engueuler pour rien.
Mais à un moment donné... Si on te montre ses testicules, tu gagnes. Si on me les fout dans le nez pendant que je bronze. D'ailleurs, il y a une anecdote comme ça avec son banquier où comme quoi elle se laisse pas faire. Non, parce que je veux dire, un banquier un peu indélicat qui vous fait remarquer que vous avez 300 euros de découvert, mais qui fait un peu d'abus de pouvoir, là, pour le coup, quand vous avez le moyen de le moucher, vous le faites. Oui, ce qui s'est passé, c'est que j'avais ce petit compte où je gagnais trois fois rien quand je travaillais dans une boutique de sport. Et la banque appelait mes parents dès que j'avais 100 francs, parce que c'était des francs, de découvert. Et j'avais toujours mon petit chèque tous les mois quand même, donc je pouvais attendre pour 100 francs. Puis un jour, je lui dirais, mais monsieur, vous n'allez pas appeler mes parents, j'ai 19 ans, vous n'allez pas appeler mes parents à chaque fois. Et il me dit, ah, bah, écoutez, madame, c'est comme si j'arrivais chez vous et que je vous prenais votre frigidaire. Je lui dis, mais moi, je vous le prête, mon frigidaire. Et en plus, je lui dis, un jour, je serai une actrice, je gagnerai beaucoup d'argent, et ben, je resterai pas ici. Et oui, bien sûr. Et puis je signe. Le contrat de Lancôme. 3 ans après, le contrat de Lancôme, 6 ans. Je passe le banc. J'ai dit, je veux tout. J'ai tout sorti et j'ai même dit, je vais aller en face et je suis partie. Voilà. Tout le monde s'identifie à l'histoire. Tout le monde a eu un banquier comme celui-là. Alors, presque 2 millions d'auditeurs sur France Inter le matin, avec une attente énorme de la part des auditeurs. Donc, à chaque fois, il y a une surenchère un petit peu quand même, on est obligé, pour ne pas décevoir. Non, j'évite. j'évite, parce que si vous recherchez la surenchère ou le buzz pour le buzz, ça ne fait pas de bon papier, quoi. Mm-hmm. Je cherche avant tout à m'amuser et amuser les autres. Bon. On vous reproche parfois de ne pas rester quand l'invité arrive. Mais à France Inter, il y a une vraie raison, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait collusion et rencontrer les hommes politiques, c'est jamais très bon quand on fait ce qu'il fait en même temps. Voilà, donc effectivement, votre argument c'est « j'ai pas envie de copiner avec tous ces gens-là, vous êtes devenu ami avec Lionel Jospin, vous ne pourrez plus rien dire sur lui maintenant. » Si, bien sûr. Non, mais c'est vrai que je veux... De toute façon, M. Jospin est retiré de la vie politique. Voilà. C'est pour ça que j'ai distribué sa tarte aux pommes. C'est vrai qu'il ne faut pas de connivence, mais j'ai toujours fait ça, même à l'époque où je faisais les portraits des invités, et encore aujourd'hui, ça m'arrange parce que je ne suis pas un gros sorteur, je ne suis même pas du tout, je suis très casanier. Je ne sortais pas dans le milieu du showbiz. D'accord. Parce que si tu commences à être copain et à fréquenter, tu ne peux plus travailler après, c'est impossible. Bon, c'est ce qui vous permet du coup des fois d'y aller vraiment très très fort. D'être libre. Oui, libre, mais des fois très stress. Sadique, même on se dit même... Non, pas sadique, parce que dans le sadisme ou dans la méchanceté, il y a la volonté de faire mal. Ouais. Moi, je n'ai absolument pas la volonté de faire mal. Quand je me suis jamais réveillé en me disant je vais faire mal à quelqu'un. Jamais. Nous, on a demandé aux hommes politiques et aux femmes politiques que vous n'avez pas épargné. Oui. Peut-être vous répondre. C'est Massimo Gargé encore, non? Non, vous allez voir. Pour ne rien arranger, j'ai eu un coup de téléphone de la direction d'Inter me demandant si, vu le contexte ambiant, je pouvais lever le pied et ne pas plaisanter sur le physique de Martine Aubry, notre invitée d'aujourd'hui. Pour être tout à fait honnête, il paraît que le fait de l'avoir appelé petit pot à tabac dans une de mes chroniques l'a blessé. Mais là, il y a mal donne. Mon père possédait une très belle collection de pots à tabac, des modèles en faïence, en barbotine, Napoléon, fin 18e, chez les Guillon, petit pot à tabac, c'est une marque d'affection. Petit pot à tabac, petit pot à tabac. Guillon. Guyon, vous parlez du comique qui se rase avec une biscotte et qui se coiffe avec un râteau et qui est gaulé comme une asperge. Alors, je vais vous dire, si moi, je suis un petit pot à tabac, lui, c'est une cigarette, et au bout d'un moment, il faut qu'il s'écrase. Bon, le président ne m'aime pas, pourtant on se ressemble vachement. Ouais, on est tous les deux égocentriques, autoritaires, capricieux. Si, je l'aime bien. Je l'aime autant que Villepin, c'est vous dire. Bon, il y va un peu fort, égocentrique, capricieux, autoritaire, c'est... Viens me le dire en face si t'es un homme. Stéphane Guillon. Stéphane Pauvcon, oui. Bonjour, à la montre de Julien Drey, il est 7h50. Oui, elle retarde un peu, c'est le problème des trucs payés en liquide. Tu peux pas aller gueuler pour les changer. Pauvre Juju, lui qui est dingue de belles montres, s'il est obligé de porter un bracelet électronique, ça va lui faire mal au cul. Merci Stéphane Guillon, bravo, super drôle. Je te rassure, mon cul va bien, mais fais gaffe au tien si je te croise. Guillon, t'es comme la trotteuse de ma montre, un grand truc qui fait tic-tac, mais qui finalement sert pas à grand-chose. Il s'est éclaté, Nicolas Hulot. Récemment encore, on l'a vu sur TF1 faire de l'avion de chasse pour son émission Ushuaïa. Et maintenant, il dit stop, on arrête de polluer. Eh oh, hé, hé, hé. Faut pas déconner.
On dirait un ancien fumeur qui fait chier à la moindre odeur de clope. Un repenti de la mafia qui veut interdire les armes à feu. Ou une vieille pute qui veut entrer dans les ordres et qui du coup voudrait que plus personne ne baise. Vous savez, le niveau de la mer monte, mais pas celui de France Inter. Stéphane Guillon est à l'humour, ce que Claude Allègre est à l'écologie, un gros nul, un raté, un merdeux, une chure de poule, une fiente de mouette, une bouse de vache. Dans quelques minutes, Dominique Strauss-Kahn va pénétrer dans ce studio. 5 seuils d'alerte sont prévus lors de cette matinale, le dernier étant l'évacuation pure et simple du personnel féminin d'Inter. Alors on va faire un effet de sirène. Voilà, à ce signal, je vous demande de vous diriger toutes, sans exception, vers les ascenseurs. Il n'est pas question de se retrouver avec une flopée de congés maternité dans 7 mois. Pas de panique, pas de panique, je suis certain que tout va bien se passer. On va mettre du bromure dans son café. Et pour la première fois, il y aura 2 caméras. Une sur l'invité, comme d'habitude, et l'autre sous la table, pour être vraiment sûr que rien ne se passe. C'est une demande du CSA. Qu'est-ce que vous voulez que je dise à Stéphane Guillon? Franchement, c'est oublié. Je n'ai pas envie de polémiquer. Ah si, Stéphane, j'ai vu ta femme, elle t'embrasse. Je me fumerai bien une petite cigarette, moi, maintenant. Bon, c'était les voix d'Annie Moreau, Sandrine Alexis. C'est écrit par Arnaud Crampon et Jonathan Kissner. En vrai, il y en a qui vous ont répondu ou pas? Pas directement. Pas directement. Mais c'est venu jusqu'à vous un peu quand même. Oui, ça vient comme ça. Oui. Non, ce que je voudrais comprendre, c'est que... c'est quoi le dosage? Parce qu'à la fois, le public attend ça. J'ai l'impression que vous vous régalez aussi de le faire. Et en même temps, quand on parle de pression, pour le public, c'est totalement abstrait. C'est-à-dire, est-ce que pour de vrai, parce que Liberté surveillée, c'est le nom du spectacle, c'est une super promesse, est-ce qu'il y a des vraies pressions? Est-ce qu'il vous est arrivé de vous dire, je vais trop loin, je vais me faire virer, et puis voilà? Évidemment, il y a des fois, je me dis, tiens, je vais me faire virer. Mais si je lève le pied, c'est terminé, quoi. Je pense aussi que les gens aiment mon travail ou aiment celui d'un garçon comme Nicolas Canteloup, parce que justement, on frôle en permanence avec la limite. C'est pour ça qu'ils nous écoutent. Donc on est un peu forcé aussi parfois d'aller loin, quoi. La politique est très 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 violente. Oui. Elle l'est de plus en plus. Et face à cette violence, on est forcé aussi, nous, d'être en écho. C'est joliment dit, ça c'était préparé. Je voulais saluer un nouveau complice qui nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir à tous. Non, parce que c'est la question. Salut Frédéric. Bonsoir. On pourrait se demander, quelle est votre motivation? Est-ce qu'il y a une forme de militantisme quand même? Absolument pas. Non? Non. On se dit que c'est pas votre éducation au départ. Non, 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 mais moi, vous avez vu, je tape à droite, au centre, à gauche. J'essaie d'avoir la plus grande pluralité. Il y a le citoyen, Stéphane Guillon, qui a ses idées. J'arrive là, mais est-ce que vous pouvez lui demander s'il a déjà voté? Qu'est-ce qu'il a dit? Non, seulement le citoyen, est-ce qu'il a déjà voté? Bien sûr, mais je vote à chaque fois, moi. Jamais de quel côté il vote? On me demande de vous demander de quel côté vous votez. Attendez, c'est quand l'urne... Non, mais je regarde. Si l'urne est là, je vote à droite. Et si l'urne est là, je vote à gauche. Ok. Je pense que la réponse ne vous satisfait pas. D'un point de vue purement démocratique, on n'avance pas comme ça. Il va falloir que je le reprenne en main. Parce que le public se pose la question, quand vous faites une critique super vache comme ça sur les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui, est-ce que le pouvoir appelle votre président, votre directeur, ça se produit ou pas, en vrai? Parce que tout a été dit, tout a été lu, on ne sait pas, la vérité c'est quoi? D'abord, je ne pourrais pas tout vous raconter, mais oui, il y a parfois évidemment des pressions, parfois ça fuite un peu dans la presse, et voilà. D'accord, mais vous le vivez comment pour de vrai? Est-ce que des fois vous avez peur? Moi, j'ai peur pour lui quand même, des fois. Je pense que c'est un métier où on peut se faire casser la figure, ça c'est évident. Guy Bedos recevait des cercueils du Front National à une époque. Très joli d'ailleurs. On a même... Rose. On a même menacé son fils, Nicolas. Donc c'est un métier où effectivement, quand on fait ce genre d'humour très, très engagé, on peut être inquiété ou emmerdé, ou au pire, on peut vous casser la figure, mais... On va pas s'arrêter de vivre. Ok. Bon alors, moi, on a eu envie de poser la question à votre président. Je vous cache pas que je l'ai vu juste avant l'émission. J'ai pas su ce que je devais comprendre de cette interview. Écoutez.
Cher Stéphane, je dis cher Stéphane, c'est pas un gag humoristique, hein, ça veut pas dire que le cachet de ce cher Stéphane est trop élevé pour moi, mais j'ai toujours beaucoup d'intérêt à avoir des conversations avec toi, peut-être parce que je t'ai vu mûrir au fil des années et qu'on trouve bien du talent, bien sûr. J'ai vu aussi que la conversation était parfois difficile, on s'est vu il y a pas longtemps dans mon bureau, et c'était pas très facile, on avait du mal à se comprendre. Et tu m'as expliqué un peu pourquoi on avait de temps en temps du mal à se comprendre, pas toujours heureusement. Mais que c'était lié sans doute au fait que je ne riais qu'une fois sur trois à tes chroniques. Et je me suis demandé, tiens, un humoriste, après tout, il peut comprendre que le rire, c'est très individuel. Moi, je ne ris pas de tout avec tout le monde, comme disait l'autre. Enfin, c'était pas ça la formule, mais je crois que tu peux comprendre ce que je dis. Et je me disais, il doit m'aimer beaucoup, Stéphane, puisqu'il veut à tout prix me faire rire. Enfin, à 100%, mais c'est juste pas possible. Donc, c'est comme ça. À part ça, je suis pas l'arbitre des élégances côté rigolade et je me marre à mes affaires. Mais je pense que c'est pas facile de faire rire les gens et que ça va être angoissant. Et j'ai cru discerner de temps en temps, comme ça, chez toi, une espèce d'angoisse existentielle, ce qui prouve que tu prends ton travail très au sérieux. Et le PDG de Radio France te remercie pour ça. À bientôt, mon cher Stéphane. Je rappelle aux téléspectateurs, c'est Jean-Luc Hesse, le président du groupe Radio France. Un jour, il a dit dans la presse que je le faisais rire une fois sur deux. Et trois semaines plus tard, il a dit il me fait rire une fois sur trois. Et je me suis mis à paniquer. Je me suis dit, si jamais je ne fais plus rire que toi, plus du tout. Quoi, voilà. En même temps, je ne reproche rien à Jean-Luc Hesse, que je connais depuis des années. Mais... évidemment, je peux ne pas le faire. J'ai un rire qui est segmentant, j'en ai conscience. Je peux pas le faire rire à chaque fois, mais la seule chose que je demande, c'est qu'à un moment donné, j'ai lu dans la presse que des choses restrictives de la part de la direction et du président de Radio France. Ouais. Et je leur ai dit, c'est pas possible, on peut pas donner cette image-là dans la presse. On se tient quand on est dans le même groupe, quoi. C'est tout. Après, dans le privé, il a évidemment le droit de dire que je ne vais pas rire, il a le droit de m'engueuler, etc. France Inter, c'est une radio très, très familiale. Donc ça s'engueule, ça se dispute, ça se rabiboche, ça bouffe ensemble, etc. Tu vois, c'est une relation un peu père-fils que j'ai avec Jean-Luc Hesse. J'ai envie de dire, est-ce qu'il y avait un modèle pour vous? Parce qu'effectivement, cette satire politique comme ça, de quelqu'un qui pourrait dire des choses et qui a subi des conséquences, il y avait un modèle dans ce métier pour vous? Oui, ou pas? Guy Bedos. Oui. Qui lui, pour le coup, a été interdit d'antenne pendant 7 ans. Il n'y avait que Michel Drucker qui l'a recevait. Qui l'a... Yann Sinclair, mais enfin, bon. Et d'ailleurs, il lui garde une reconnaissance à vie pour ça, parce que c'est pas anodin d'être interdit d'antenne pendant 7 ans. C'est encore quelque chose qui le blesse, qui n'est jamais cicatrisé. C'est interdire à un humoriste de s'exprimer, c'est déjà attaquer la démocratie. Donc c'est pas rien d'avoir interdit M. Bedos d'antenne pendant 7 ans. Il les a largement emmerdé sur scène. Ce que je voudrais comprendre, c'est que c'était votre idole. Pourquoi? Justement parce que c'est une sorte de modèle comme ça de liberté de ton. Parce que bon, il y a le talent évidemment. Il y a pour le comédien. Plein de choses. Je le trouvais terriblement sexy. Je trouve même physiquement, il me plaisait. Je suis au bord de l'érection là. Non, parce que ça, on parle de lui, mais sur scène, il y en a deux. Vous imitez, c'est Sarko et Bedos. Ouais. Et qui a une gestuelle très particulière. D'ailleurs, vous avez même imaginé ce que ça donnerait les deux gestuelles en même temps. Oui, parce que... ouais, donc sur ça, j'ai dit, Bedos, c'est ça. Voilà, comme ça, ici, là. Et Sarko, c'est ça. Il y a un moment, j'ai dit, le pire, ce serait quelqu'un qui aurait les deux. C'est ça. Et dernière question, Nicolas Sarkozy s'est exprimé sur votre humour ou pas? Ou c'est une légende? Il a dit c'est inadmissible. Vous savez que les informations du Canard enchaîné quand même sont fiables à 98%. Donc, et puis l'Élysée a confirmé. Donc oui, dans un avion qui le ramenait de Rome, il a dit qu'il n'aimait pas du tout mon travail. Mais il faut dire qu'il venait de quitter un autre humoriste qui était Silvio Berlusconi. C'est bien plus fort que toi. C'est bien plus fort que moi. Donc, est-ce que le fait que le président se soit exprimé, alors c'était pas public, mais voilà, on dit que c'est vrai, ça vous protège du coup? Parce que évidemment, maintenant qu'on... Moi, c'est la chose que je trouve sympathique chez Nicolas Sarkozy, c'est qu'il réagit tout de suite, c'est un sanguin, à chaud. Et que c'est vrai que c'était pas très malin pour me faire virer, quoi. Il aurait mieux fait... Vous savez, il aurait mieux fait de passer un petit coup de fil en loose-dé. Voilà. Sarko, il dit rien sur moi, il passe un coup de téléphone à la direction, il dit c'est terminé, lui c'est terminé. Donc... et en même temps, le fait qu'il ait dit « je ne supporte pas ce garçon », quelque part, ça m'a protégé. Jusqu'à maintenant, parce que je peux être viré en septembre, vous savez. Bon. Par la gauche. Ok, évidemment, on ne vous le souhaite pas. Alors, on continue. Christiana,
C'est vrai que vous avez une carrière au théâtre que beaucoup d'actrices pourraient envier. Parce que les nominations, je ne les ai pas comptées, mais il y en a eu plein au Molière. Enfin, votre travail a été reconnu. Est-ce qu'il a été reconnu assez vite? Enfin, je veux dire, on a parlé effectivement d'années comme ça de galère. Non, parce que pendant très longtemps, j'étais la femme de Francis Huster, et je l'étais vraiment. Et pour les gens, j'avais beau jouer tout ce que vous voulez, faire des feuilletons, même si ça avait du succès, même sans lui, j'étais la femme de Francis Huster. Et partout où on allait, des fois, on ne connaissait pas mon prénom, on disait c'est la femme de Francis Huster. Ou la femme de Gérard Philippe aussi, on m'a dit. Et oui, j'étais dans un taxi, il me dit ah, je vous connais, vous êtes la femme, là, comment il s'appelle, Gérard Philippe. Enfin, et c'est vrai que. Bon. Mais moi, j'avais des progrès à faire aussi. Donc, quelque part, je me suis tapé quand même des critiques, des fois pas faciles, des ambiances dans les théâtres qui étaient, parce que j'étais la femme d'eux, machin, pas faciles. Travailler avec la personne avec qui on vit, tu connais, des fois, parfois, ça peut poser des problèmes pour d'autres personnes. Et pour, surtout pour exister. Mais j'avoue que ça m'a vachement armée. Moi, ma vie, elle compte plus que mon métier, au fait. Mmh. Ma vie affective, ma vie avec mes enfants, ma vie avec ma famille, mes amis et tout ça. Donc, je faisais toujours deux pas en avant, un en arrière, pour pouvoir quand même avoir mon âge, c'est-à-dire ton... et être complètement... Non, mais voilà, épanouie. J'ai pas envie d'être aigrie, j'ai pas envie de me disputer. Moi, j'adore jouer. Hein. Après, on fait jouer, j'adore... Le reste, ça me regarde, c'est ma vie, je m'amuse. Les plus belles satisfactions, justement, c'est à quel moment? C'est Good Canary, par exemple, parce qu'à un moment donné, c'est John Malkovich qui vous choisit. Oh, je pense que la première, donc, comme celle tout à l'heure qu'on citait, Lorenzaccio et tout ça, ça a été... C'est mes amis, qui sont toujours mes amis aujourd'hui. C'est là où j'ai fait mes premiers amis du métier, comme ça, des élèves du cours Florent, qui sont devenus des grands acteurs et des grandes actrices et tout ça. Ça, c'est déjà très important. Et après, il y en a eu plusieurs, mais c'est vrai que Good Canary, que Malkovich... C'est un triomphe public, viennent critique. À Paris et qu'ils viennent me voir et qu'ils me choisissent, moi. J'ai adoré. Et Stéphane est venu voir la pièce. Donc J'ai vu... On y est allé avec Muriel. Oui, demandez-lui ce qu'elle fait quand elle a une mauvaise critique dans la presse. Il faut voir Christiana au théâtre. Parce que c'est vrai que moi, j'avais cette image, c'est pas péjoratif ce que je vais dire, de Terre Indigo, etc., etc. Et que le jour où on a été la voir avec Muriel dans Good Canary, ça a vraiment été un choc parce qu'elle est incroyable sur scène. C'est vraiment une actrice qu'il faut aller voir au théâtre. Elle est fabuleuse. C'est au Palais Royal en ce moment. Allez la voir parce qu'elle est très impressionnante. Le problème, c'est que ce qu'il vient de dire, ça lui empêchera d'acheter une paire de chaussures supplémentaires. Et on m'a livré une anecdote. On me dit, à une époque, quand vous lisiez une mauvaise critique, vous aviez un toc. Oui. Au fait, j'adore les chaussures. Et à chaque fois, je dis, non, c'est pas possible. Je vais pas m'acheter des chaussures que j'ai jamais mis. Et un jour... Je commençais à avoir des bonnes critiques de temps en temps. J'ai toujours deux, trois critiques depuis 20 ans. Me lamine. Donc c'est même pas la peine que j'achète, je le sais. Je préviens les directeurs de théâtre, je préviens le metteur en scène. Je dis cela, ça sera toujours comme ça et c'est comme ça. Et c'est encore là, c'est toujours comme ça. À chaque fois qu'elle a une mauvaise critique, elle achète une paire de chaussures. Voilà. Et il y a eu une mauvaise critique sur le Phédo. Et j'aimerais qu'on ait une pensée pour le piton qui a laissé sa vie. Voilà, est-ce que l'important c'est une très belle aide. Mais c'est vrai. Quand j'ai eu ma mauvaise critique dans le Figaro il y a 10 jours, Bedos m'a félicité. Il m'a dit c'est bien. Je suis fier de toi. Dis-toi que mauvaise critique dans le Figaro, c'est la consécration. Et tu aurais eu une bonne critique, nous deux, c'est terminé. C'est génial. Il exagère. Alors, c'est vrai que je l'ai dit en débutant l'émission, parce que vous le dites vous-même sur scène, qui est le vrai Stéphane Guillon, le public, vos fans et vos détracteurs se demandent qui est, parce qu'il y a un mystère. Donc moi, je veux profiter pour le coup du procédé de l'oreillette pour savoir un petit peu qui est le vrai. Et je crois qu'il ne bat pas sa femme, il est très gentil avec ses enfants et il a quelques amis, je crois. Nous sommes très différents les uns les autres. Moi, je me suis très malé cette réputation de teigne. Ben non, et puis tout d'un coup, maintenant, les gens me disent « Oh, vous êtes gentil, tout ça, ils ont peur que je meure. » Bon, d'accord. C'est vrai qu'il a, c'est quand même un vanneur... toute la journée, c'est-à-dire qu'entre nous, notre façon de communiquer, que ce soit avec ses enfants ou avec moi, entre nous, c'est tout le temps la vanne, on se laisse rien passer, voilà. On n'a pas le droit à l'erreur, un petit truc qu'on fait mal, c'est le tac tout de suite. D'accord. Et une de nos occupations favorites,
quand on est à l'étranger, n'importe où, quand on est n'importe où, on s'assoit sur un banc et on dit du mal des gens qui passent. On adore ça. C'est horrible. On est un couple horrible. Tacler, c'est un sport familial, un petit peu, quand même. C'est un peu... On aime bien, avec ma femme, Muriel, s'asseoir à une terrasse et balancer, quoi. C'est un sport. On aime bien ça, quoi. C'est vrai qu'on vous a vu sur Envoyé spécial fou de jardinage. Parce que quand je dis fou, c'est pas une formule. C'est même une névrose, hein. c'est très pénible à vivre. C'est-à-dire qu'on a un grand jardin, mais les garçons n'ont pas le droit d'aller jouer au foot. On n'a pas le droit de toucher à ses arbres, on n'a pas le droit de rouler sur son gazon. Alors, rouler sur son gazon, je pense qu'il peut te tuer. Non, mais c'est ça, parce qu'on dit fou de jardinage, c'est une formule consacrée. Oui. Mais si on la décompose, donc fou un peu, parce que sur votre gazon, il ne faut pas jouer au foot. Si, tu peux jouer au foot, non, mais... Mais le menteur, il y a 15 ballons de foot dans son bureau, il les a confisqués. Vous voulez confisquer les ballons de foot? Non, c'est pas vrai. C'est horrible. Mais non, mais attends. On a la chance d'habiter à la maison, elle est collée au parc de Saint-Cloud. Donc les gamins, Autant aller au parc. Et ne pas abîmer mon gazon. Parce que tu sais, on a des arbres, des trucs, machin. Il faut mettre 30 ans pour faire une... Et eux, ils prennent ça comme des... Tu vois, l'arbre le plus joli de la maison qui est comme ça, qui est une merveille. Ils ont dit que c'était ça le poteau de but. À un moment donné, tu vois... Tu t'es forcé de leur faire comprendre ces trucs-là, quoi. Stéphane, c'est une vraie mère poule, hein. Enfin, c'est grave, hein. Mais vraiment, c'est une maman. Enfin, il prend la place de ma mère à la maison. Ça, okay. Je le savais, il s'habillait déjà comme ça il y a 20 ans. Hein. On a quand même dit papa poule, j'ai entendu. Parce que c'est vrai que le public qui vous voit comme un mec féroce ne vous imagine pas, parce que vous avez beaucoup d'enfants en plus. Nous sommes ce qu'on appelle une famille recomposée. D'accord. 7. Bon, justement... On veut terminer par quelque chose de mignon. Alors, sur vos 7 enfants, c'est un peu comme le jeu de cette famille. Nous, on a tiré Anna. J'aimerais qu'on l'applaudisse très fort. Vous voulez vous dire un petit mot en public. Bonsoir, Anna. Bonsoir. On l'applaudit, c'est pas facile. Anna a 15 ans et c'est elle qui a écrit. Ce qui n'est pas facile. Vas-y, Anna. Tu flippes ? Je flippe. Non, ça va. OK. Bon, bah, je vais vous raconter un peu comment est mon beau-père. Hein, Donc, quand ma mère m'a dit « Vous allez habiter avec un humoriste », enfin, je vais habiter, enfin, on emménage avec un humoriste, je me suis dit « Ouais, ça va être la fête à la maison tous les soirs, ça va être trop drôle. » La fête à la maison. Les enfants, je suis crevée, j'ai la tête comme ça. Si vous bouffiez... Baissez le son sonore. Stéphane, ça se dit pas le son sonore. Non, mais vous vous rendez pas compte. C'est trop dur. J'ai mon papier pour France Inter à écrire demain. Je me lève tous les matins à 6h. On verra. Moi, je vais vous lever demain matin à 6h. On verra si vous faites encore les malins. Donc ça veut dire, en gros, dégager des chambres. Plus de musique, plus de télé. Donc on comprend. Donc on migre dans le salon. On fait un jeu. 10 minutes plus tard, qui arrive. Les enfants, je croyais vous avoir dit que j'étais fatiguée, que j'ai mon papier à écrire pour demain. J'en peux plus, vous vous rendez pas compte, c'est pas vrai. Hein. Donc si vous faites quelque chose, quoi. Donc bon, bah plus de salon, plus de salle de jeu, plus de chambre, le jardin. Donc bon, bah là, c'est le début d'un drame annoncé. Les garçons arrivent dans le jardin. Bon, des garçons, 3 garçons, un ballon de foot, le jardin. Ils commencent leur partie et qui arrive 5 minutes plus tard? Non mais merde, mais je rêve, mais c'est pas vrai. Mais combien de fois je vous ai répété, on ne joue pas au foot dans le jardin. Ok, d'accord. Bon, j'en ai ras le bol, vous montez en haut dans vos chambres. Stéphane, ça se dit pas, monter en haut. J'en ai marre. Personne ne se rend compte, c'est vraiment trop dur. Ok, donc dimanche après-midi, tous dans les chambres, plus un seul bruit dans la maison. 8h du soir. Anna ! J'arrive. Anna ! Mais j'arrive. Anna, merde ! Oui, c'est bon, je suis là, ça va. Non, ça va pas, ok ? On est avec ta mère, on a fait le marché, on vous a acheté le poulet, le jus d'orange. Vous vous rendez pas compte, on fait tout pour vous, on fait tout. Ça va. Donc, tu pourrais prendre l'initiative de mettre la table, quand même. Parce que, alors, pour faire des conneries, là, t'es la meilleure, mais pour mettre la table, y a plus personne. Oui, bon, bah, ça va, je vais la mettre, la table.
Si vous lui demandez, il vous dira sûrement que je suis une ado insupportable. Mais je fais, ce que je t'ai pas dit, c'est que je fais exprès d'être insupportable. Comme ça, ça t'inspire. Enfin, parce que tu vois, je suis allée voir ton spectacle et 90% des trucs de ton spectacle, c'est inspiré par moi, quand même. Génial. Souvent aussi, j'entends... Enfin, parce que je me renseigne un peu sur toi, tu vois, je lis des articles et tout. Enfin, comme une belle fille adorable et sympathique. Et donc je lis des articles, Stéphane Guillon est méchant, ou l'humour s'arrête quand... Non, oui, l'humour s'arrête quand la méchanceté commence, on se demande qui a dit ça d'ailleurs. Enfin, bref, mais pas du tout, faudrait que vous le voyiez avec ma petite sœur de 3 ans, mais alors, mais... Oh, mais comment ça va, mon amour? Oh, mais t'es trop mignonne! Il est 20h, tu vas bientôt manger. Bon, tu le dis pas à maman, je te le donne, d'accord? Mais tu le dis pas à maman, hein? Oh, mais t'es trop mignonne! Tout ça pour dire qu'avoir un humoriste à la maison, c'est pas tous les jours drôle, mais bon, Stéphane, on l'aime quand même, hein? J'aimerais pas avoir un autre beau-père, quoi. Oh, non! Magnifique! Très, très impressionné, c'est pas la vie? Elle a écrit toute seule, on peut l'applaudir. Je te laisse t'installer. À côté de lui, à côté de lui. Non, 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 là. Alors là, il y avait des professionnels là-haut, tout le monde était scotché. Ah ouais, c'est vrai. Non, parce génial, que... Hein. Drôle et émouvante. Drôle et émouvante, on me dit. Non, et puis, elle vient de réussir un concours très dur qu'est les enfants de la comédie. Donc elle le fait à fond. Et puis, c'est vrai qu'elle a cette qualité, elle a du culot. Et, ah bah pour arriver comme non, ça, non, mais en public devant. Tu sais, Michel Simon avait appelé son chien Sam, santé, audace, mémoire, qui était pour lui les trois qualités pour être comédien, santé, audace, mémoire. Tu trouves ça très con, puis quand tu fais ce métier, tu dis la santé, oui, l'audace, évidemment, la mémoire aussi. Et elle a de l'audace, elle a du culot. Et si elle se met vraiment à bosser, parce qu'elle a quand même un petit poil dans la main, si elle se met vraiment à bosser, avec le physique qu'elle a, parce qu'elle est en plus c'est joli que sa maman, elle peut vraiment faire des choses super. Bon, en tout cas, c'était magnifique, comme on l'a dit là-haut. On peut l'applaudir. On la garde. Oui, alors... Anna, est-ce que tu savais que quand il était jeune, il avait à peine plus... Il avait 17 ans, 2 ans de plus que toi. Il rêvait de faire James Dean comme métier. Ouais, ouais, je sais, il m'a tout raconté quand même. Hein, Jean Marais aussi. Ouais, ça c'est pour les duels, je le fais finalement. Et pour ouais. Les collants aussi. Hein, et pour la botte de Nevers. Non, parce que vous étiez face à votre idole. Quand vous tournez avec Jean Marais, qu'est-ce que vous lui dites? Parce que vous avez tourné avec Jean Marais. Ah d'accord, ok, ça y est, oui, j'ai tourné avec Jean Marais. Vous avez tourné avec Jean Marais? Oui. Je crois qu'Anna l'a jamais vu, le public non plus. Non. On vous regarde. Eh oui, c'est moi, Stéphane Guillon. Comment as-tu pu écrire ce torchon sur mon spectacle? C'est bon, lâchez-le. Assieds-toi. Tu osais critiquer mon spectacle de la sorte. J'ai une excuse. Je ne croyais pas à votre existence. Un fou sinistre, aigri et hargneux, qui s'en prend toujours à Sarkozy. Et quoi, je dérange le président? Mais c'est la consécration. Ça vient récompenser 20 ans de travail. Oui, vous avez le sens de l'humour, en effet. L'humour noir, le plus rare. L'humour à froid. Alors maintenant, c'est très simple. Je te donne 48 heures, pas plus, pour écrire un article élogieux. T'es pigé? 48 heures, c'est peu. Ah, ça, fallait réfléchir avant. Comment nous retrouverons-nous? J'aimerais autant que la prochaine fois, nous prenions rendez-vous. Eh bien, je vais te laisser ma carte de visite. Ah!
Vous avez bien fait de nous faire confiance. Ouais, c'est super. Je me suis trouvé super en Jean Marais. J'étais bien aussi. Hein. Ah, je parlais parce que, ouais. Alors, je voudrais rappeler aux téléspectateurs qui nous rejoignent, qui ne comprennent rien à ce qui vient de se passer, c'est que tout à l'heure, en début d'émission, effectivement, Christiana a dirigé. Et pourquoi tu expliques à des gens qui n'ont pas pris l'émission dès le départ? Ils avaient qu'à être là. Ils avaient qu'à être là. Pour eux. Ne leur dis rien. Ne leur dis rien. L'oreillette, ça se regarde en entier ou ça se regarde pas. Exactement. Voilà, sur un fond vert. Et puis, voilà, grâce à Charles Ludon et Jimmy Arnaud, notre monteur, j'aimerais qu'on les applaudisse parce qu'ils ont fait ça pendant l'émission. C'est l'heure des révélations, venez avec moi. Venez avec moi. Vous allez devoir deviner qui était là pendant l'émission. Alors, Christiana. Alors, Lionel Jospin. ouais, Lionel Jospin, quelle perspicacité. Il était là. Parce que toutes les vannes, c'était lui. Tous les moments un petit peu. Il y en a eu, c'était lui. Je pense qu'il doit avoir quelqu'un de ma famille déjà. Ouais. Ou Adriana qui est venue en expresso du Brésil. Non, Mariana? Ouais, vas-y, Mariana. Mariana. Marie-Laure Munich. Vas-y. Non. Pierre Cassignard de Haute-Ville Théâtre. Allez-y, continue, on va les découvrir dans un instant. Une amie d'enfance ou Ariane Benchetrit ou Sandrine. Voilà, je crois que vous allez voir. Ah. Je peux déjà vous dire que votre argent n'est pas là, il y en a d'autres. D'accord. Vous allez découvrir. Stéphane. Lionel Jospin. Ouais. Il y avait, je pense qu'il y avait ma femme. Ouais. Parce que je l'ai senti bizarre. C'est-à-dire aujourd'hui, bizarre, quoi. Donc, je pense qu'il y avait ma femme. Il y avait ma belle-fille, Anna. Qui est assise en face de nous, oui. Qui est assise en face de nous. Et je pense qu'il y avait Marie-Laure Munich, l'agent de Christina. Et il y avait certainement une de ses sœurs. Peut-être Adriana. Oui, Adriana. Et le reste, je sais pas. Ok. Honnêtement, ben, c'était bien fait. Bien tu fait. Tu vois, il y a un vrai, savoir-faire sur cette émission. Est-ce que je peux dire quelqu'un pour Stéphane que j'ai peut-être. Oui, pour Stéphane. Guy Bedos. Vous pensez à Guy Bedos? Oui. Pourquoi? Je sais pas. Remarque, c'est vrai qu'on sentait qu'il y avait beaucoup de Sahari, quoi. Oui, il y avait Sahari. Beaucoup d'infos à ce moment-là, je sais pas. Le rire, c'était ou Bedos ou Jospin, mais c'était un des deux. Alors, on va les découvrir, ils vont sortir les vôtres par ici, vos complices par là. Sous les applaudissements du public, j'aimerais qu'on remercie mes complices. Venez, venez. Il était là, Guy Bedos. Ça va bien. Alors c'est Christiana qui a deviné pour Guy, vous n'aviez pas deviné du tout? Non. Alors il s'est dit que je suis tellement occupé que c'est j'avais vrai, pas le c'est temps vrai, je suis très flatté de m'attarder sur des petites choses. Non, parce que le lien de parenté artistique, on l'imagine, vous connaissez en vrai, donc, pour le public? Oui. Et c'est-à-dire que comment ça s'est passé? Vous êtes allé le voir un jour en disant que vous êtes non, il m'a invité à une soirée, une carte blanche qu'il avait à l'Olympia, à une époque où, il y a quand même 3-4 ans, je n'avais pas du tout la notoriété que j'ai eue grâce à Dominique Strauss-Kahn. Et il était très bon agent. Il est arrivé, c'est assez drôle d'ailleurs, avec son manteau, c'est ses Ray-Ban de mafieux corse. Et... c'est ton émission. Vas-y. Et, et avec sa belle voix, il m'a dit, j'ai envie de parler de vous. Voilà. Et puis, j'étais super heureux, quoi. Très impressionné, parce que première fois. Et puis depuis... Depuis, c'est toi qui me fais du bien, parce que tu parles de moi tout le temps, et ça m'aide beaucoup, mais tu dis du bien. Et ça, c'est... Et Guy, nous, on est impressionnés par l'imitation. Est-ce que vous reconnaissez dans l'imitation? Et oui. Et j'ai d'ailleurs arrêté de faire ce métier pendant quelques temps. Je vais reprendre pour l'emmerder. Mais... pour lui montrer que quand même, papy est encore là. Bon, en tout cas, je remercie Guy Bedos d'être venu. Je sais que ça fait plaisir à Stéphane. Allez, un mot sur chacun, une phrase. Je vais commencer par ma sœur, Laurence, qui a été mon premier public. C'est vrai qu'elle riait mais comme une bossue et que ça m'a vraiment mis en confiance. Et en plus, c'est quelqu'un qui fait des cadres magnifiques. Elle a beaucoup de talent. Voilà.
Oui, c'est gentil. On l'applaudit hein. Très fort. Venez dans la lumière, venez dans la lumière. Étienne, je vais par Étienne de Balazi. Qui nous a beaucoup fait rire ce soir. Ouais, mais qui est un garçon avec qui j'ai démarré chez Jean-Laurent Cochet dans les années 81, oui, 82. Dit, on s'en fout, c'est pas grave. Tu portes beau encore. Oui, c'est vrai. Et Étienne est, entre autres, est le metteur en scène de Patrick Timsit. Voilà. Voilà. On l'applaudit pour son talent. Et on le remercie d'être venu. Philippe Ekerlé, qui est le vrai créateur du zapping à Canal+, quoi qu'on vous dise, c'est lui, et qui a mal tourné puisque maintenant il est antiquaire en Bretagne. Je m'en veux pas. Vous connaissez le sketch Poiré Séro, les antiquaires ? Philippe le joue à lui tout seul tous les jours. Bon, mon ami Laurent Sirad, qui a fait la musique du spectacle, qui a énormément de talent. C'était mon ami au départ. Ouais, c'était l'ami de. Non, je ne sais pas comment c'est. C'était mon ami au départ. Laurent Sirad. C'est très bien. Ouais, la musique est magnifique. D'ailleurs, je l'écoute. Et d'ailleurs, tu vas devoir faire la musique du spectacle de Guy, du prochain spectacle de Guy, je te le dis. Vous êtes cher ? Non. Du tout. Il se produit actuellement au théâtre Trévise, duel. Ils sont deux. Lui, c'est un virtuose au violoncelle, l'autre, c'est un virtuose au piano. C'est extrêmement drôle. Il faut absolument aller le voir au théâtre Trévise. En revanche, c'est un garçon, attendez avant de l'applaudir, qui a bousillé mon gazon l'autre jour en montant parlons-en avec une sorte de 4x4 pourri. Et voilà, et ça m'a... Voilà. Voilà. Laurent Sirad, on l'applaudit parce qu'il faut aller le voir au théâtre. Vous m'avez donné envie de vous en parler sur scène et vous m'avez donné envie d'y aller. Et vous allez nous présenter voilà, en une phrase Guy Bedossi. Je termine par un garçon qui... Attends, non, je ne t'ai pas oublié. Je termine par un... Je termine. Tu passes en vedette. Tu passes en vedette. Je termine. Oui, je termine les amis. Toi, tu es ma femme. Ah. Comment la mauvaise foi. C'est tout Stéphane. On va y aller, nous. Hein. On va y laisser parce qu'on n'a pas non plus... Bah oui. Par ce garçon va faire du one man show, qui va se lancer bientôt, qui a beaucoup de talent, qui est mon ami Guy Bedos. Guy Bedos. Muriel. J'ai pas compté combien de fois vous l'avez cité ce soir. Non mais il y a beaucoup d'épouses d'invités qui aimeraient bien. On va dire une banalité hein, derrière chaque femme il y a un artiste. Mais c'est vrai que sans Muriel, je le dis vraiment ce soir, sans Muriel je serais jamais arrivé à faire le quart de ce que j'ai fait. Je lui dois énormément de choses. C'est ce qu'il m'a dit. Je voudrais remercier les complices et les amis de Bruno qui ont fait le show ce soir. Merci à vous. Donc Lionel Jospin n'a pas pu rester, oui. Mais je rappelle à ceux qui nous rejoignent que Lionel Jospin était là pour vous ce soir, et puis des amis très proches qui sont là également. Des gens très très proches, donc ma petite sœur, qui est ma sœur plus jeune. Donc c'est pas Adriana, c'était non, pour c'est vous. Mariana. C'était pour vous embrouiller. Non, c'est une des quatre, c'est Mariana, et qui était une de mes victimes de mes telenovelas, dont tu t'assois, tu me regardes, s'il te plaît, et je faisais les scènes et tout ça, donc j'ai bien senti qu'elle pouvait être là à ce moment-là. Charlotte Caddy, qui était donc dans Terre Indigo avec moi, et quand je vous ai dit, et Alexandre aussi Thibault, qui était avec moi aussi dans Terre Indigo, quand je vous ai dit que c'était important, cette série, c'était aussi humaine, une série importante pour moi humainement, dans une aventure très très forte, parce que j'ai eu des grands amis qui resteront toujours mes amis, et ils en font partie. Et Sandrine, qui est mon amie du lycée, et depuis très très longtemps. Et il manque une autre copine, Ariane, qui n'est pas là, mais voilà, avec qui je fais mes petits voyages tous les ans. On a eu plein d'infos. Et, ça, voilà. Et je vous informe, parce qu'il a dû partir, mais il était là et aussi il a donné beaucoup d'infos. Pierre Cassignard était là, ils vous l'ont dit un instant. Pierre Cassignard, qui est mon chouchou des partenaires. Je voudrais les remercier, j'aimerais qu'on les applaudisse d'avoir joué le jeu ce soir. Alors Charlotte, on peut le voir en tournée. C'est dans César, Fanny et Marius, hein, d'après Pagnol. Oui, et puis vous jouez dans On purge bébé pour France 2. J'ai tourné dans, ça c'est le petit lien qu'on a en commun, qui passera, réalisé par Gérard Jourdi, dans la collection des auteurs du 19e. Voilà. D'accord. J'ai participé à ce fédo-là, c'est On purge bébé. Voilà. Et en attendant que ça passe en France 2, au théâtre du Palais Royal, On purge bébé, Théonie est en avance.
deux pièces de Fedo. Et encore une fois, je ne connaissais pas En Purge Bébé, donc j'ai compris pourquoi il avait traversé les âges, pourquoi c'est aussi efficace. C'est très acide, très misanthrope, on l'a dit, et vous faites une performance d'actrice, c'est un rôle à Oscar, moi j'appelle ça. Voilà, elle est sur scène, allez la voir au Palais Royal, vous allez vous régaler. Et puis, Stéphane, donc si vous avez raté quelques-unes des chroniques sur France Inter, on m'a demandé de vous calmer. Sinon, il est à 7h55 du lundi au mercredi. Et puis, au théâtre de Jazé, c'est le triomphe. Mais c'est prolongé jusqu'au mois de mai avec ce spectacle Liberté surveillée. Et c'était encore mieux que ce que je croyais, franchement. Donc, je vous remercie à tous. Et je termine cette émission par cette phrase d'Oscar Wilde qui me porte bonheur parce que vous avez raconté vos parcours et j'aime quand on raconte au public que ça ne se fait pas comme ça, qu'il faut surmonter plein de choses, continuer d'y croire. Donc Oscar Wilde disait, dans la vie, il faut viser la lune car même en cas d'échec, on atterrit toujours dans les étoiles. Merci à vous. Merci à vous. On se retrouve mercredi dans 15 jours.